Monsieur le représentant de la DGESCO, cher Arnaud Cossard, messieurs les inspecteurs généraux, messieurs les membres de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, mesdames et messieurs les proviseurs, chers professeurs, chers élèves, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs. C'est pour moi un très grand plaisir d'ouvrir cette cérémonie de prix enseignement scientifique et de vous accueillir à l'Académie des sciences. L'Académie a dans ses missions, je cite, de veiller à la qualité de l'enseignement des sciences et d'œuvrer pour que les acquis du développement scientifique soient intégrés dans la culture des hommes et des femmes de notre temps. C'est ainsi que lui tient particulièrement à cœur de célébrer aujourd'hui le travail pédagogique réalisé à la fois au niveau de la rédaction et de la composition des manuels scolaires, ainsi que celui mis en œuvre au sein des lycées au niveau national. Cette reconnaissance prend la forme de deux prix, un prix du livre d'enseignement scientifique d'une part et un prix d'enseignement scientifique au lycée général d'autre part. Le premier prix récompensant un livre d'enseignement scientifique a été créé à l'initiative de Bernard Meunier, alors président de l'Académie des sciences. Il s'agit d'un prix annuel qui est destiné à récompenser le ou les auteurs d'un ouvrage, manuel scolaire ou livre ressource pour les professeurs, se proposant de contribuer à l'enseignement des sciences, conçu pour des jeunes d'une tranche d'âge bien définie, ou leurs professeurs, et rédigé en résonance avec le contenu des programmes scolaires pour cette même tranche d'âge. Pour procéder à son attribution, l'Académie a contacté les éditeurs afin de recevoir des manuels scolaires répondant aux nouveaux programmes d'enseignement scientifique pour la première et la terminale, et un jury composé de membres de l'Académie des sciences et de personnalités extérieures impliquées dans l'enseignement en lycée a été rassemblé. Pour compléter cet effort, un deuxième prix a été créé en 2019 pour traiter plus spécifiquement du nouvel enseignement scientifique de tronc commun en lycée général, mis en place dans le cadre de la récente réforme du baccalauréat. En quelques mots, il s'agit dans ce cas de distinguer un établissement d'enseignement général pour un travail collectif particulièrement remarquable, ayant impliqué de nombreux acteurs, de l'équipe de direction aux élèves, en passant par l'ensemble des professeurs et des équipes pédagogiques de différentes disciplines mobilisées autour de cet enseignement. Là encore, un jury composé de membres de l'Académie des sciences, d'un inspecteur académique pour les sciences et les technologies, ainsi que de personnalités issues du monde de l'éducation, a été rassemblé pour analyser les dossiers reçus et procéder à l'attribution du prix. À un moment où la science reste trop souvent l'objet d'incompréhension et où parfois les opinions le disputent plus que de raison aux faits, donner aux sciences toute leur place dans le système éducatif est une nécessité pour une formation éclairée des citoyens de demain, qu'ils se destinent à devenir des scientifiques ou pas. Il est indispensable que la culture scientifique soit une composante naturelle de la culture générale. Tout autant que l'accès à des connaissances sur le monde qui nous entoure et à des leviers d'action pour le rendre meilleur, la pratique des sciences est avant tout une école de l'esprit critique et de la raison. En cela et pour cela, la science a pu être jadis au cœur du projet des Lumières, je parle sous le portrait d'Alembert qui est ici, portant aux côtés de la philosophie, des lettres, des arts, l'espoir d'un progrès universel affranchi des obscurantismes comme des croyances irrationnelles et porteur de valeurs de liberté de pensée, d'émancipation et de tolérance. On voit aujourd'hui combien ce projet ne va pas de soi et à quel point il faut en réaffirmer en permanence les principes. L'enseignement joue à ce titre un rôle clé et en ce mois d'octobre 2021, on ne peut qu'avoir une pensée pour Samuel Paty qui, il y a un an, a payé de sa vie son attachement à transmettre ses valeurs dans l'exercice naturel de son métier. Si la nécessité d'éducation et de formation passe bien sûr par de la transmission de savoir, elle est aussi affaire de partage pour une meilleure appropriation par tous et chacun. Les prix d'enseignement scientifique qui seront décernés dans quelques instants sont une très belle défense et illustration de ces deux aspects complémentaires. Ils ont bien sûr vertu de récompense pour celles et ceux qui les reçoivent, mais aussi d'exemples à suivre. En attendant de les découvrir, je souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi et je vous remercie de votre attention. Je donne la parole à Pierre Léna pour le premier prix. Mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, le 14 février 2018, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale,
présente sa réforme du baccalauréat, qui doit entrer en vigueur 18 mois plus tard. Elle est riche de nombreuses initiatives, et parmi celles-ci, la création en classe de première et de terminale d'un enseignement intitulé « Humanité numérique et scientifique ». Celui-ci concernera tous les élèves du lycée général, quel que soit leur choix de spécialité, puisqu'il se situera dans le tronc commun qui comprend également l'histoire et géographie, les langues vivantes, le français en première et la philosophie en terminale. Le but est énoncé par le communiqué simultané du ministère, je cite, « une matière qui donnera à tous les lycéens les connaissances indispensables pour vivre et agir dans le 21e siècle en approfondissant les compétences numériques de l'élève ainsi que sa compréhension des grandes transformations scientifiques et technologiques de notre temps, bioéthique, transition écologique, etc. » Cet énoncé rejoint une préoccupation exprimée de longue date par l'Académie des sciences, en particulier notre souci vis-à-vis de la formation des professeurs des écoles, puisque ceux-ci sont à plus de 80% des diplômés de l'enseignement supérieur hors des champs scientifiques, et que, pour cela, dans le système qui précède, ils n'ont plus fait d'enseignement scientifique depuis la classe de seconde. On n'est donc pas étonné de la difficulté actuelle de la place des sciences à l'école primaire. Et vous savez combien cette place nous concerne ici depuis un quart de siècle, au moins. Lors des mois qui suivent cette présentation du nouveau baccalauréat, notre académie dialogue avec le ministère afin de mieux cerner le propos. Tout d'abord, en faire un propos qui soit véritablement centré sur la science et qui ne le réduise pas au numérique, quelle qu'en soit l'importance, ni dans sa démarche, ni dans les impacts sociétaux. Mais ce propos ne doit pas simplement conduire à un cours supplémentaire de sciences qui s'ajouterait simplement à ceux de physique ou de sciences de la vie qui existent déjà, car il doit permettre de partager avec les élèves toute la dimension d'aventure humaine qui est celle de la science dans le passé comme dans le présent. C'est ainsi et ainsi seulement qu'il sera pour tous un chemin d'humanité. De ces échanges résultera le simple titre finalement retenu, enseignement scientifique. Il fallait alors en concevoir le programme, en étant guidé par quelques idées-forces. Avec une dimension historique marquée, il serait pluridisciplinaire, une nécessité absolue pour ouvrir à des questions sociétales presque toujours systémiques. Parmi celles-ci, il traiterait des urgences du temps, le changement climatique, la biodiversité, l'intelligence artificielle, qui ont été retenues. Centré sur l'ensemble des sciences de la nature, il n'ignorerait pas les mathématiques et tenterait de les traiter autrement que comme de simples outils de calcul, formulaires, utiles, mais sans plus. Il veillerait enfin à rendre actif l'élève en faisant expérience et projet. Concevoir ce programme de 2 heures hebdomadaires sur ces 2 années fut une gageure. Vous l'imaginez bien que sut relever le groupe de travail travaillant avec l'inspection générale et co-présidé par nos collègues Laurence Rézeau, que je crois présente dans la salle et qui fit un admirable travail, et l'inspecteur général Dominique Rojat, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Parmi les auditions auxquelles nous procédâmes, le groupe accueillit Michel Serres. C'était peu avant sa mort, et il plaida avec vigueur pour abolir la distinction souvent caricaturale entre scientifique et littéraire.
Ainsi, le programme s'adresserait à tous, à tous les élèves, étudiant ensemble, quel défi, et non aux seuls d'entre eux ayant choisi une ou plusieurs spécialités scientifiques, puisque dans notre société, tous doivent pouvoir dialoguer avec tous à propos de la science et de ses applications, nous l'avons bien vu dans l'année qui s'est écoulée. Ce programme, publié, approuvé par le Conseil supérieur des programmes et ainsi présenté au ministre, dont la présidente Souad Ayada, que nous avons invité, mais qui ne pouvait être là aujourd'hui, contribua aussi à cette vision nouvelle mise en avant, fut mise en œuvre en première à la rentrée 2019 et en terminale à la rentrée 2020, il y a donc un an. Il ne concernait, à notre grand regret, ni les séries technologiques, ni surtout le baccalauréat professionnel. Pour ce dernier, il faudrait bien sûr rechercher un concept qui soit adapté au profit d'élèves qui sont déjà, nous le savons, beaucoup moins bien dotés en vue d'une compréhension de la science et de sa place dans la société. Surgit alors une question brûlante. Qui prendrait en charge cet enseignement? Rapidement, il apparut que les professeurs de physique et chimie d'une part, des sciences de la vie et de la terre d'autre part, seraient en première ligne. Et une tentation évidente surgit. Peindre en rouge les thèmes des uns, en bleu les thèmes du programme relevant plutôt des autres, découper les horaires, cantonner chacun dans sa discipline familière et donc faire peu de place à ce dialogue que justement nous recherchions. Donc, se limiter aux spécialistes. Comment faire place aux mathématiciens, à l'économiste, à l'historien ou au philosophe, surtout pour ce dernier en terminale, bien sûr, et ne pas reproduire les silos de savoir qui caractérisent notre enseignement. Et ce n'est pas une critique des disciplines qui sont dans leur ordre nécessaire, bien sûr. Certains lycées ont compris qu'agir ainsi, sans faire la place, en découpant, en peignant en bleu ou en rouge, etc., qu'agir ainsi pouvait caricaturer le but de cet enseignement. Que les instructions du programme demandent aux élèves d'acquérir une vision systémique pour comprendre notre planète et nos sociétés, tandis que leurs professeurs ne sauraient pas leur en donner l'exemple entre eux. Quel paradoxe! C'est ainsi que surgit à l'Académie l'idée des prix que nous décernons aujourd'hui pour les seules classes de première cette année, puisqu'elles furent les seules concernées, lors de l'année 2019-2020. L'Académie des sciences fit un appel à tous les lycées de France en leur proposant de participer, et les réponses que nous avons reçues montrent que nous avions raison de faire confiance. La gageure de ce nouvel enseignement peut être tenue, ce qui ne veut pas dire qu'elle est, pour l'année écoulée, tenue partout, et nos amis de l'inspection générale nous feront part de l'enquête plus large qu'ils ne manqueront pas de faire sur cette première année. Chers proviseurs, chers professeurs, chers élèves, oui, vous nous donnez une belle démonstration qui va maintenant être mise en œuvre par l'appel des lauréats. Alors, je vais proclamer les résultats du prix dans leur ensemble et ensuite notre président Patrick Flandrin appellera tour à tour chacun des lauréats pour quelques minutes d'éclaircissement. Donc, ce que je vais souligner brièvement, je suis certain qu'on en aura des détails un peu plus approfondis dans quelques minutes. Je dois dire d'abord que deux dossiers reçus de Lens et de Lille ont été classés hors concours par le jury. Ils sont malheureusement hors sujet. Ils disent des choses intéressantes sur la façon d'enseigner les sciences, mais nous craignons qu'ils aient confondu dans le règlement du prix
le terme ES, qui désignait spécifiquement ce nouvel enseignement, avec l'enseignement des sciences de façon générale, ce qui n'était évidemment pas notre propos. Nous regrettons donc de ne pas avoir retenu ces deux équipes. Nous espérons beaucoup qu'avec la première et la terminale, qui seront l'objet du prix suivant, nous les reverrons comme candidats. Voilà. Alors, nous avons six dossiers que nous avons retenus et que nous avons voulu citer tous. Trois reçoivent une mention spéciale du jury et trois reçoivent le prix. La mention spéciale du jury est attribuée au lycée Demos de la Salle à Rumilly, en Haute-Savoie, l'Académie de Grenoble. C'est un dossier qui a bien entendu les critères choisis, qui a mis en œuvre le travail collaboratif des professeurs, qui a commencé à aborder la classe de terminale, qui est où la démarche expérimentale est très présente, l'utilisation des microscopes, l'évaluation des élèves est bien faite, les projets numériques sont intéressants, notés, la position des femmes en sciences et la présentation est bien faite. Toutefois, nous n'avons pas jugé qu'il présentait des caractéristiques très spécifiques en répondant aux questions que j'ai évoquées tout à l'heure. La seconde mention spéciale du jury est attribuée au lycée Catherine et Raymond Jeannot de Sens, Académie de Dijon, qui a fait un important travail collaboratif et d'analyse des contenus à enseigner, donc un vrai travail d'équipe entre professeurs. Deux professeurs essentiellement, un de physique-chimie et un de sciences de la vie et de la terre, avec cette particularité que nous retrouverons tout à fait, qu'un seul professeur peut assurer l'ensemble des disciplines, donc le bleu et le rouge si vous voulez, hein. Et certainement, en 2022, nous reverrons ce lycée, nous l'espérons en tout cas, parce qu'il a déjà abordé la classe de terminale avec un professeur de mathématiques qui, fait remarquable, a préparé un thème sur l'histoire du vivant, hein, un des thèmes de ce programme. J'insisterai à nouveau sur le rôle que dans la plupart de ces lycées primés, les professeurs de mathématiques ont accepté de jouer. Pour nous, c'est un moment extrêmement important. Le troisième mention est donnée au lycée français Charlemagne de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, qui évidemment travaille dans des conditions beaucoup plus difficiles sous la responsabilité du proviseur, M. Han, et qui a bien mis en avant la démarche de recherche, qu'on appelle aussi l'investigation, qui souligne, et c'est agréable de l'entendre, que les élèves étaient très heureux, hein. Et ce dossier comprend une bonne introduction, de bonnes idées mises en avant, mais il n'est pas construit au niveau de ce que nous espérons qu'il saura nous présenter l'année prochaine, et donc nous l'encourageons vivement à continuer dans cette voie. Voilà pour les trois mentions. Je poursuis par les prix. Hein ? Donc maintenant, les trois prix d'enseignement scientifique que nous n'avons pas su et donc pas voulu classer entre eux, car ils ont chacun quelque chose d'exceptionnel que je vais essayer de mettre en avant. Donc l'ordre dans lequel je vous les présente n'a pas un sens particulier. Le lycée pilote innovant et international à Jaunet-Marigny, dans la Vienne, Académie de Poitiers, a six classes de première, donc 180 élèves, sous la houlette du proviseur, M. Raffi. Là, nous observons une véritable co-construction et un co-enseignement des six professeurs. Trois mathématiciens, deux physiciens, deux sciences de la vie, accompagnés de leurs IPR. Ce sont les seuls qui mentionnent le rôle des IPR, dont ils disent qu'il a été important. Les supports des élèves pour parcourir le programme de cette année ont été également co-construits bien au-delà, dans les documents qui nous sont remis, de ce qu'on peut trouver dans les manuels dont nous allons parler tout à l'heure.
Ils ont procédé à une très astucieuse rotation de groupes d'élèves pour mélanger toutes les spécialités et pour s'assurer qu'elles étaient effectivement mélangées. Donc littéraire et scientifique, on ne sait plus. Le suivi par un espace numérique de travail et la validation est faite par un trio de professeurs, donc avec leurs trois valences, appuyant le groupe expérimental. Le projet expérimental a été traité avec des choix proposés aux élèves. Je relève un des choix proposés parce qu'il est très intéressant. Est-il possible de transférer la mémoire d'une personne dans un ordinateur? Cela respecterait-il la morale? C'est intéressant puisque d'un côté les connaissances scientifiques, mais de l'autre les questionnements éthiques qui évidemment ne sont pas prescrits par la science elle-même. Et enfin, une production audio a permis de juger l'activité. De plus, ce lycée s'enorgueillit à juste titre, avec un professeur de mathématiques, d'avoir poursuivi une activité de recherche accompagnée par un universitaire et de publier un travail fait sur la modélisation. Peut-être petit bémol, le poids relatif donné à la modélisation par rapport à l'expérimentation, qui demeure nécessaire, nous a paru un peu excessif. Le dossier, enfin, est bref, mais extrêmement clair. Second lycée, le lycée Honoré d'Estienne d'Orves, de Carquefou, en Loire-Atlantique, qui est un lycée tout neuf, puisqu'il a 2017, comprend 7 classes de première, avec une très grande diversité des choix de spécialité des élèves en première. 13 spécialités sont proposées sous la houlette de Madame Faure, la proviseure, et ça donne évidemment une pluridisciplinarité intéressante, et donc un très grand soin a été apporté à mélanger toutes ces compétences avec 2 professeurs de SVT, 3 de physique-chimie et 4 de mathématiques. Là aussi, un schéma sur l'horaire, la gestion des semaines, très intéressant, a été mis en place. 2 professeurs sur chaque créneau horaire, dédoublement du cours ou co-animation, des heures additionnelles de concertation dégagées sur la dotation horaire de l'établissement, une solution que nous souhaitons voir généralisée, et nous passons ce message au ministère avec une certaine force pour le succès de cet enseignement. Un guide de progression annuel conforme au programme est rédigé par l'ensemble de professeurs et pour eux, et également un espace numérique de travail pour les élèves avec des possibilités d'approfondissement. Une remarque intéressante dans ce dossier, c'est que l'enseignant non spécialiste d'un certain sujet qui est traité dans le programme se met du côté des élèves et dans les questionnements, il se pose les questions et au fond, elles ne sont pas très différentes de celles des élèves alors qu'il ne connaît pas forcément la réponse. Le projet expérimental était très intéressant. Il était fait par une entreprise agricole de la région. Malheureusement, la Covid n'a pas permis de le mettre en œuvre. Ils ont procédé à une auto-évaluation pour l'année suivante, donc nous espérons beaucoup les revoir, avec la chargée de mission école inclusive. Donc on retrouve aussi cette préoccupation d'inclusion que je soulignais. La présentation du dossier est excellente également. Enfin, troisième et dernier lauréat du prix, le lycée La Perverie Sacré-Cœur à Nantes, 6 classes de première. Donc vous voyez qu'on a à peu près toujours 200 élèves concernés. 2 professeurs de SVT, 1 physicien, 1 mathématique. Donc dans tous les cas, les professeurs de mathématiques ont accompagné le projet, et c'était un de nos souhaits très vifs. Et ici, en outre, un professeur de technologie et informatique qui assure la partie informatique, ce qui nous paraît également très intéressant. Ils ont consacré 7 semaines à chaque thème, et pour chaque thème, ils ont fait un binôme mixte entre un enseignant d'une discipline et une d'une autre. Et de même, en terminale, puisqu'ils nous présentent
le projet de l'année qui vient de s'achever, l'année de terminale, hein. Cette fois, il s'agit de 9 semaines par thème, puisqu'il n'y a, il y a que 3 thèmes, et à nouveau, en faisant des binômes de professeurs différents. Diversité à nouveau des spécialités choisies, c'est même très remarquable, puisque dans ce lycée où en première il y a 190 élèves, il y a 26 bouquets de spécialités différentes. Ça prouve vraiment une grande ouverture et un intérêt des élèves. Et naturellement, dans l'enseignement scientifique, ils ont cherché à faire un mélange. Je cite pour conclure 2 phrases qui ouvrent la présentation de ce dossier et qui, je dois dire, correspondent beaucoup bien à ce que le jury recherchait. Conscient que l'enseignement scientifique sera pour certains élèves le dernier contact avec les sciences expérimentales, hein, j'ai parlé des professeurs des écoles, on en recrute quand même près de 12 000 par an, nous considérons cette matière comme essentielle pour construire l'esprit critique, le raisonnement scientifique et la culture scientifique de base des acteurs du monde de demain. Il s'agit bien d'agir dans le monde. Nous avons la sensation d'être dans le vrai quand les élèves ne parviennent pas à deviner notre matière de base, quand les disciplines s'effacent pour que seule la démarche mise en œuvre sur le thème persiste. C'est tout à fait magnifique. Et les illustrations sur la distinction savoir-opinion-croyance, sur les fausses représentations, sur l'histoire de science, sur les biais cognitifs qui sont énoncés dans le dossier sont absolument remarquables, ainsi que le projet d'ailleurs fait avec une entreprise pour produire de l'électricité dans l'établissement scolaire à partir d'énergies renouvelables. Mesdames et messieurs, nous avons été comblés par la lecture de ces documents, passionné par le succès dont il témoigne. On aimerait entendre les élèves, mais vous allez nous, certainement nous, vous faire l'écho de ce qu'ils ont vécu. Et en tout cas, un très grand merci pour avoir pris au mot cette gageure et l'avoir, avec beaucoup de travail, car tout ça ne s'est pas fait en soufflant dessus, hein, et l'avoir conduite jusqu'aux présentations que nous allons entendre aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons passer précisément à ces présentations. Alors, nous allons le faire dans l'ordre des prix du lycée d'enseignement scientifique et je vais commencer par appeler le lycée honoré d'Estienne-d'Orf. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, donc nous souhaitions tout d'abord remercier l'Académie des sciences d'avoir sélectionné notre projet et nous permettre aujourd'hui de le présenter. Alors, je vais reformuler effectivement ce que vient de dire Monsieur Léna et essayer d'apporter des éléments supplémentaires. Donc, en élaborant ce projet, nous avions pour ambition de proposer un enseignement scientifique pluridisciplinaire et concerté, co-animé et participant au développement de compétences variées. Effectivement, dès la lecture en fait, des objectifs du programme de ce nouvel enseignement, il nous a semblé pertinent qu'il soit assuré par des enseignants de différentes matières scientifiques, sciences de la vie de la Terre, physique-chimie et effectivement les mathématiques. Donc cette première année, 4 enseignants de mathématiques se sont investis. À chaque séance, 2 enseignants de 2 disciplines différentes interviennent selon les 3 combinaisons possibles, c'est-à-dire SVT physique-chimie ou physique-chimie-math ou SVT-math. Donc, une des particularités de notre projet réside dans le fait que l'ensemble d'un même niveau a le même enseignement. Cela implique donc de l'anticipation et une concertation importante. Donc, en effet, plusieurs professeurs vont proposer le contenu des séances via un espace de mutualisation afin qu'il puisse être discuté. Et puis après, d'éventuelles modifications, ces séances-là sont effectuées par l'ensemble des classes. Ce travail intradisciplinaire et interdisciplinaire permet, grâce à de nombreuses relectures, de proposer des activités abouties et des supports de qualité. Et cela instaure une équité entre les classes de l'établissement,
ce qui est apprécié et reconnu par les élèves. Donc l'autre particularité de notre projet, c'est qu'en doublant les heures allouées à cet enseignement, Madame Faure, notre proviseur, nous a donné la possibilité d'être deux enseignants face à une classe et donc de co-animer, comme on peut le voir sur une des diapositives là-haut, où on est en train de travailler sur les domaines d'audibilité, un professeur de physique-chimie et d'SVT face à une classe. Donc, nous avons rapidement constaté les avantages de cette modalité et nous avons donc généralisé cette pratique à l'ensemble des séances et même l'année d'après en terminale. Donc Madame Le Borne va maintenant revenir sur l'intérêt de cette organisation. Voilà, merci. Donc pour cela, je vais revenir sur les objectifs que nous nous étions fixés en construisant ce projet, donc qui a été construit avec déjà des enseignants de physique-chimie, de SVT et de mathématiques qui ont accepté de se lancer dans le projet dès le départ. Donc notre idée, c'était de pouvoir développer l'utilisation d'outils expérimentaux, d'outils numériques et puis ainsi de la simulation aussi, des modélisations afin de rendre les sciences plus concrètes. De confronter les élèves à des problématiques actuelles qui les concernent de façon à stimuler leur curiosité, d'entraîner les élèves à croiser des informations issues de domaines scientifiques différents et de sources différentes, afin de se construire une culture scientifique décloisonnée. Initier des dialogues et des débats autour de questions scientifiques en insistant sur la nécessité d'écouter l'autre et d'argumenter, et de favoriser l'entraide et la coopération entre élèves qui avaient des formations différentes et des sensibilités différentes. Donc l'organisation choisie pour cet enseignement, notamment la pluridisciplinarité et la co-animation, nous a permis d'atteindre ces objectifs, et ainsi de valoriser les développements et la valorisation de compétences variées de chacun des élèves. Par ailleurs, on souhaitait aussi faire prendre conscience aux élèves que la science faisait partie de leur quotidien. En ce qui concerne les enseignants, donc nous étions 8 la première année, voilà, et 18 la deuxième année, donc un peu toute l'équipe des sciences, des trois matières scientifiques concernées. Ils ont enrichi aussi leur pratique par la confrontation des approches et de modalités de mise en activité qui diffèrent d'une matière à l'autre. Voilà. Ils ont pu se retrouver en situation d'apprenant, comme vous le disiez tout à l'heure, sur des notions où on était moins expert. Donc ça nous permettait aussi de cibler les difficultés des élèves et d'apporter des outils méthodologiques pour les aider dans leur apprentissage et les accompagner de la meilleure des façons, on espère. Alors on a aussi pu réfléchir ou se questionner aussi sur notre positionnement dans la classe et à notre rôle en présence d'un autre collègue. Donc cette réflexion sur les pratiques n'a pas été simple, toujours, pour tout le monde, mais elle a été enrichissante. Nous essayons de poursuivre ce projet en conservant le même état d'esprit, mais nous l'avons fait évaluer de façon à pouvoir s'adapter aux contraintes du lycée et notamment à la gestion des heures qui sont allouées pour tous les enseignements et qui doivent être partagées. Voilà. Donc Madame Faure, notre proviseur, s'excuse de ne pas être là, mais elle devait revenir sur ce point ici. Je vous remercie pour votre attention. Je vais appeler maintenant le deuxième lycée lauréat, qui est le lycée La Perverie Sacré-Cœur à Nantes.
Messieurs. Ah oui, c'est vrai. Tellement l'habitude. Messieurs, tout d'abord, au nom de mes collègues, je veux vous dire combien nous sommes honorés par votre invitation. Et je voudrais aussi vous remercier pour l'opportunité que vous avez donnée à nos équipes de se dépasser avec ce concours. La réforme du lycée a été pour nous, dans notre établissement, une véritable opportunité pour changer nos pratiques, une sorte de levier, en fait. Et pas uniquement en sciences, mais particulièrement en sciences peut-être, où mes collègues se sont très fortement investis dans un travail interdisciplinaire. Et de cette très belle collaboration est né cet ambitieux projet. Nos élèves, eux, ont saisi, nous pensons, tout l'intérêt du décloisonnement des sciences dont vous parliez tout à l'heure. Et ils ont particulièrement aussi apprécié de voir leurs enseignants travailler ensemble, binôme, et de façon approfondie. Hein, je renouvelle mes remerciements sincères à mes collègues pour tout le temps qu'ils ont bien voulu accorder à leurs élèves. Mais après tout, je vais laisser la parole aux premiers intéressés. C'est un grand honneur, une grande fierté, mais surtout une grande joie pour nous d'être reçus par la prestigieuse Académie des sciences. Nous sommes d'autant plus sensibles au choix de cette date, car c'est en effet il y a une semaine, juste, que nous célébrions l'Ada Lovelace Day. Vous voudrez bien excuser cet anglicisme dans l'enceinte de l'Institut de France. Qui célèbre Ada Lovelace, inventrice de la programmation, ainsi que toutes les femmes travaillant dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie, des mathématiques. J'en profite pour leur rendre hommage, en particulier à mes collègues professeurs de sciences. Ce prix représente le fruit d'un projet initié il y a 3 ans dans notre lycée, la Perverie Sacré-Cœur à Nantes. La mise en place de cette nouvelle discipline a été pour nous l'opportunité de remettre en question notre pédagogie et de nous lancer dans une nouvelle approche de l'enseignement des sciences. Nous avons souhaité quitter le fonctionnement traditionnel, un professeur, une discipline, une classe, pour adopter une démarche plus souple. Des professeurs, des disciplines, des élèves. Nous sommes des professeurs aux expériences variées. Nous venons de l'enseignement, bien sûr, mais pour certains d'entre nous, de l'industrie, la recherche et même la conception de machines de spectacle. Nous sommes des professeurs aux compétences complémentaires, physiciens, biologistes, mathématiciens, informaticiens, aux profils multiples, mais nous sommes tous animés par le même désir d'enseigner les sciences autrement. Nous nous voyons un peu comme des huissiers. Nous souhaitons ouvrir des portes. Nous avons face à nous des élèves aux intérêts variés. Certains sont attirés par les sciences et envisagent des études dans cette voie. D'autres sont plus attirés par les lettres, l'économie, le droit ou les arts. Certains ont une attitude de désintérêt, voire de défiance face aux sciences. Mais nous voulons que 2 heures par semaine, ils soient des scientifiques, qu'ils pensent science, qu'ils s'interrogent sur le fonctionnement du monde dont ils font partie, qu'ils aient une réflexion éclairée pour appréhender et résoudre les défis qui attendent leur génération. L'acquisition des connaissances et des compétences passe par l'expérimentation qui occupe pour nous une place primordiale. Manipuler, c'est intégrer un phénomène physique par le corps. C'est mettre à contribution plus de sens que l'ouïe et la vue. Un texte expliquant le rayonnement solaire reçu par la Terre en fonction de la latitude, bof. Un schéma, c'est bien. Napoléon disait d'ailleurs « un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ».
Une vidéo, c'est encore mieux. Mais manipuler une boule sur un axe incliné, l'éclairer, la faire pivoter, mesurer la surface de la tache lumineuse, cela s'appelle l'expérience. Et l'expérience, cela ne s'apprend pas. Cela se vit et ça marque l'esprit. Et quel plaisir pour nous de voir un visage s'éclairer lors de la compréhension d'un phénomène physique. Mais la science, ce sont aussi et surtout des femmes et des hommes. Au début de chaque séance, un élève présente à ses camarades un grand scientifique qui vient ajouter sa biographie à la frise chronologique qui orne le long couloir de nos labos. Si tout cela est possible, c'est grâce à une organisation originale, dépendante d'un ingrédient magique. Je laisse à Frédéric Terrien, pierre angulaire de ce projet, le soin de vous le révéler. Merci Étienne pour ton compliment. Pierre angulaire, hier c'était cheville ouvrière, donc il fait des surprises. Mais pierre angulaire, c'est à la fois de la géologie, des mathématiques, de la physique, et tu as choisi un objet interdisciplinaire, et c'est une belle transition. En effet, si tout cela a été possible, c'est grâce à la constitution de binômes d'enseignants volontaires, de disciplines différentes qui se sont choisies, et qui se sont spécialisées dans des thématiques via une organisation en barrette permettant une rotation coordonnée des binômes tout au long de l'année, en première et en terminale, comme vous l'avez évoqué. Si tout cela a été possible, c'est parce que les binômes d'enseignants ont consacré leur été et des centaines d'heures annuelles de co-animation bénévole pour que les matières s'effacent au profit de la thématique. C'est l'idée que nous avons cherché à représenter dans cette diapositive. Merci Monsieur Corda de nous avoir permis de la concrétiser. Malgré tout, ce projet n'aurait pu être mis en œuvre sans l'amour et la patience de nos familles, trop souvent sacrifiées sur l'autel de la mission éducative qui nous anime. Barbara nous l'a chanté, le temps perdu ne se rattrape plus. Alors, c'est sûr, il nous faut mieux revenir pour nous créer de plus beaux souvenirs communs, plus beaux que des étés et des soirées sur nos bureaux laborieusement courbés. Paris est la ville de l'amour, alors nous profitons d'être ici pour dire à nos familles à quel point nous les aimons. Je reviens à l'enseignement scientifique. Participer au prix de l'Académie des sciences était l'occasion de mettre notre démarche à l'épreuve du plus légitime des jurys. Alors, être ici, aujourd'hui, signifie que nous sommes sur la bonne voie. Le regard que vous avez porté sur notre travail nous est précieux, sachez-le. Ainsi, être ici pour vous dire merci est important à nos yeux. Être ici, une semaine après l'Ada Lovelace Day, évoqué par Étienne, est l'occasion de souligner à quel point Dany et Laurence, vous avez nourri le projet de votre enthousiasme et de vos compétences. Être ici nous fait penser à ceux qui n'y sont pas. Lise, Aurélie, Dorothée, Caroline, Philippe, Fabien, sans oublier Isabelle, Valérie, Bernadette, Laura et Laurence, le projet a été bâti par toute une équipe hétéroclite d'enseignants. À vous qui êtes restés à Nantes pour faire tourner la boutique en assurant les séances, vous pouvez être fiers de tout le boulot accompli. Être ici n'aurait été qu'une rêverie sans le soutien du reste de la communauté éducative à chaque fois que nous étions fatigués au bord de la rupture. Les copains, on vous salue bien et promis Alex, on ramène des photographies pour le journal de la perverie. Vous l'avez compris, nous sommes ici grâce à l'énergie liée au plaisir d'avancer ensemble. L'élément magique, c'est ça. C'est l'humain. Je sais que vous tous ici le savez bien. Être ici, enfin, nous offre l'opportunité de saluer l'un des vôtres, le professeur Jean Rouxel, l'un des pères de la chimie du solide et de la chimie douce, à travers l'une des nôtres, Solène, sa fille, notre collègue, esprit solide et amie douce. Solène, cette institution d'excellence fait maintenant ressurgir tes souvenirs d'enfance. L'Institut de France est, quelque part, un peu ta maison. Alors nous sommes heureux que tu puisses, aujourd'hui, être ici. Merci.
J'appelle maintenant le troisième lycée primé, qui est le lycée pilote innovant international à Genet-Marigny. Tout à fait, c'est Poitiers. Bonjour à tous. Donc, le lycée du Futuroscope à Genet-Marigny, donc juste à côté du Futuroscope. Bien, nous aussi, on est très fiers d'être ici, impressionnés aussi par les lieux. Et puis, moi, personnellement, très content d'être à quelques mètres de Pierre Léna, que je salue particulièrement parce que, en fait, il y a 3 ans, j'étais au plan national de formation. J'étais au fin fond de la salle en train de l'écouter. Et puis, je buvais ses paroles en essayant de me dire comment on allait mettre en œuvre cet enseignement scientifique. Et aujourd'hui, on est là devant vous, donc c'est un vrai plaisir. Alors effectivement, moi j'ai été nourri déjà de nos... Vous l'avez dit, d'ailleurs on va essayer de... On va peut-être paraphraser un petit peu des choses parce qu'elles ont été très bien dites tout à l'heure. On a été encadré avec déjà nos 3 inspecteurs qui s'excusent de ne pas être là, donc en tout cas qui nous ont suivis, donc Madame Pinton qui est en SVT, Monsieur Lafontaine en mathématiques et puis Monsieur Demartel en physique-chimie. Donc, ils nous ont accompagnés tout au long des séances. Ils sont venus nous voir. Je crois que c'était la première fois qu'on se faisait inspecter avec 3 inspecteurs. C'était quand même assez intéressant. Et donc voilà. C'est vrai que aussi en tant que formateur, on s'est nourri. Enfin, j'étais en pleine réflexion sur le rapport du CNESCO que je voulais citer aussi aujourd'hui sur la différenciation pédagogique, avec la nécessité de construire du co-enseignement. On en parle beaucoup du co-enseignement, qui, en tout cas, il le décline de ces deux, sous ces deux aspects, la co-intervention et la co-préparation. Et nous, on a essayé de travailler sur ces deux aspects, en tout cas, comme tout le monde, j'ai l'impression, ici, dans les projets. Donc, volonté de construire une équipe, vous la voyez dans le petit tableau en bas à gauche, avec des enseignants de mathématiques, de physique et de SVT, évidemment. Et on s'est dit comment on allait pouvoir intervenir à 3 sans avoir suffisamment d'heures dans notre DGH pour pouvoir intervenir. Donc, nous est venue cette idée de réunir 2 classes. Alors, ça peut paraître curieux parce que souvent, on a tendance, en tant qu'enseignant, à vouloir abaisser le nombre d'élèves par classe. Eh bien, nous, on a fait l'inverse. Donc, on a eu parfois les difficultés suivantes, c'est d'avoir des structurations d'espaces de classe qui pouvaient accueillir 60 élèves. Et on les a répartis, comme vous le voyez en bas à droite, en petits groupes de 4, de spécialités différentes. Avec cette nécessité entre enseignants de construire un dialogue qui permettrait des supports nourris des 3 disciplines. Et donc pour construire, en tout cas, on avait vraiment à cœur de se dire, ben voilà, on est enseignant dans cet enseignement, l'enseignement scientifique. Donc des petits groupes, des regroupements par classe, et puis une approche globale avec la construction de documents nourris des 3 disciplines. Et puis, donc ça, c'était pour faciliter la co-intervention. Juste avant de laisser la parole à mon collègue Thierry Morin, je voulais juste revenir aussi sur... C'est vrai qu'on a été très centré sur la modélisation, ce que vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur Léna. Déjà parce que, je ne sais pas si vous avez eu cette information, l'année dernière, il y avait les travaux académiques mutualisés en mathématiques sur la modélisation. Et donc j'étais il y a quelques jours avec Mme Piccaroni, inspectrice générale de mathématiques. Et c'était intéressant la vision qu'elle avait aussi de la démarche scientifique. Là, il y aurait encore tellement à creuser, qui intègre la modélisation dans le cheminement. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que juste pour commenter un petit peu en à droite, la démarche scientifique qui avait été largement soulignée il y a 3 ans, je pense qu'on pourrait aussi mettre des flèches directement de la modélisation vers l'observation sans forcément faire tout le cycle de la démarche scientifique. Voilà, je voulais juste livrer ça. D'accord. Merci Loïc pour cette présentation. Donc, je suis Thierry Morin, enseignant de physique-chimie, avec un rôle un petit peu particulier dans ce lycée ces dernières années, parce que j'étais à l'origine du projet quand on l'a monté avec Loïc, et cette idée de regrouper ces élèves et de pouvoir leur proposer un enseignement scientifique, et non pas un enseignement juxtaposé de SVT, mathématiques et physique-chimie, mais avoir vraiment cette approche globale et se dire quand on est dans ce cours-là, quand on a ces 2 heures-là, on est en enseignement scientifique et les élèves ont devant eux
ces enseignants qui ne sont pas des enseignants d'une discipline en particulier, mais qui enseignent la science. Alors, pourquoi particulier? Tout simplement parce que j'étais à l'origine du projet. J'ai assuré un intérim dans l'équipe de direction l'année dernière, donc j'ai énormément aidé à la mise en place de ce dispositif dans le lycée pour revenir cette année en tant qu'enseignant. Vous voyez, une sorte d'aller-retour qui est très intéressante au passage. Et vraiment, l'idée, c'était, on est lycée pilote, donc on s'est dit, on met ça en place, mais on met ça en place de telle façon que les moyens que l'on met à disposition des élèves pour cet enseignement ne viennent pas au détriment d'autres disciplines. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas, si on veut expliquer dans notre académie, parce qu'on l'a fait en tant que formateur tous les deux avec Loïc, qu'il est possible de mettre en place ce qu'on a fait dans n'importe quel autre établissement, il faut faire aussi comprendre que les moyens ont été utilisés, ce sont les mêmes qui ont été utilisés dans tous les lycées de l'académie, ils ont juste été utilisés différemment. Et c'est cette mise en place de ces dispositifs, de cette utilisation différente des moyens qui est intéressante dans notre côté pilote de notre lycée. C'est-à-dire que ce qu'on fait au lycée pilote, on peut aussi le faire ailleurs. Si on le souhaite, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de volonté. Et c'était notre volonté. Notre volonté d'avoir cet enseignement commun à tous et ce regard croisé, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est le regard croisé qu'on peut avoir entre enseignants lorsqu'on a préparé les cours. Il y a surtout ce travail de co-préparation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on peut se dire aux collègues, je ne comprends pas ce que tu as voulu dire ici, je ne comprends pas ce que tu demandes à l'élève. Et c'est, à mon avis, le premier filtre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le professeur de mathématiques ou de sciences de la vie ne comprend pas ce que son collègue de physique demande aux élèves qui viennent de spécialités différentes, qui n'ont pas une appétence particulière pour les sciences, eh bien, là, on se dit déjà, eh bien, on va reprendre et on va retravailler, on va refaire. On va proposer autre chose aux élèves. Voilà. Et justement, c'est pour ça aussi, c'est dans la dynamique de notre lycée, on a souhaité que ces élèves, quelques-uns parmi les 500 élèves du lycée qui étaient en première l'an dernier, donc qui sont en terminale cette année, dans lequel on a continué ce dispositif, un petit peu différent entre la première et la terminale, mais toujours dans le même esprit, avec des activités variées. Hein, la semaine dernière, en terminale, on a proposé un débat entre élèves sur le futur des énergies, donc pour prendre un thème de terminale. Et voilà, c'est vraiment aussi avoir une approche différente de ce qui peut être fait ailleurs. Donc, mais je laisse la parole aux élèves. Sophie ? Alors, bonjour. Donc, je suis élève au lycée pilote innovant international. Et du coup, c'est juste un témoignage en fait, de mon année de première en enseignement scientifique qui m'a marquée. Donc, en première, le premier thème qu'on a abordé, c'était le thème du son. Et en fait, la première chose qui s'est passée, c'est effectivement qu'on s'est retrouvés à 50 dans une salle. On ne comprenait pas trop pourquoi. Et ensuite, ils nous ont expliqué du coup comment ça allait se passer. Et la séance suivante, on était par groupe de 4. Et ce n'était pas fait au hasard, effectivement. Il se trouve que, personnellement, j'ai des spécialités scientifiques. Mais je me suis retrouvée avec un camarade comme moi qui avait des spécialités scientifiques et deux autres camarades qui avaient des spécialités littéraires. Et ce mélange-là, il a vraiment permis une sorte de coworking entre nous, puisque les connaissances qu'on avait acquéries, nous, parce qu'on avait des spécialités scientifiques, on a pu les apporter pour nos camarades en les aidant. On avait aussi le fait que notre professeur, malgré le fait que ce soit une professeure de mathématiques, elle a réussi à nous expliquer le thème en général. Et ça, je pense, du coup, on ne s'en est pas rendu compte sur le moment, mais c'est fait justement au travail des professeurs à l'arrière qui ont fait qu'ils peuvent tous comprendre l'enseignement scientifique sans segmenter l'enseignement scientifique en trois matières. Et donc, c'est aussi une sortie de zone de confort pour eux. Et on leur en remercie quand même parce que c'est des efforts en plus à faire. Du coup, voilà. Donc, en exemple, c'était justement qu'on avait la gamme de Pythagore. Donc, elle a forcément bien réussi à nous expliquer. Mais on avait aussi après tout un aspect biologique sur l'anatomie au niveau de l'oreille. Et elle a aussi très bien réussi à nous expliquer. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est à peu près tout. Et aussi le fait que... justement, de ce fait-là, ça soit une seule discipline à part entière et pas justement les trois disciplines. Et au final, nous, on voyait ça comme une discipline et que ça soit abordable par tous les professeurs,
ça veut aussi dire que c'est abordable par les élèves, même s'ils n'ont pas les mêmes, en spécialité, des spécialités scientifiques. Et c'est ça qui était très important. Voilà. Merci Sophie. Merci. Ok, donc du coup, que dire ? Là, donc, j'ai trouvé la première fois, je vais recommencer un petit peu comme l'avait dit Sophie, la première fois donc, du coup, que j'avais commencé donc, l'enseignement scientifique, on s'était retrouvé à 50, il y avait toute une organisation qui semblait assez. Qui nous semblait assez bizarre, ça change quand même pas mal des enseignements de sciences, de physique, chimie, où on a un cours assez, enfin, bien préparé, bien huilé, et là on doit se retrouver à se mettre en activité ensemble, donc ça, au début ça nous a un peu déstabilisé, mais au final, on s'y est plus. Je suis en ce moment avec des amis dans les groupes de quatre, avec une bonne entente, que ce soit moi qui ai personnellement des spécialités comme mathématiques, physique, chimie, ou alors mon ami qui fait SES et HLP, ou d'autres amis qui font d'autres spécialités. C'est, je pense, assez intéressant d'avoir des différents points de vue comme ça, dans les activités, dans les exercices, c'est-à-dire que là, par exemple, je vais prendre l'exemple des énergies, c'est les souvenirs qui sont les plus frais pour moi. On parlait notamment des histoires de rendement de différents dispositifs, comme par exemple les alternateurs ou alors les panneaux photovoltaïques. C'était aussi intéressant d'avoir l'avis de Alice qui donnait son avis de SES du coup à la question et ça se voyait aussi c'était aussi intéressant dans les manières de dans les manières de voir de réfléchir de aussi par exemple se dire les choses. On faisait des exercices, on se les expliquait entre nous, il y a certains qui comprenaient quelque chose, d'autres qui le comprenaient un peu moins, il y avait un échange, une communication. Une conformation, comme on aime bien au lycée. Et je vais reprendre aussi l'exemple du débat sur les énergies. C'est quelque chose qui est assez éloquent pour moi, parce que avant ce débat-là, on devait faire des recherches documentaires. Donc tout le monde était impliqué, tout le monde avait ses petites connaissances à fouiller pour avoir des idées, des arguments. Que ce soit donc en sciences, que ce soit un impact l'impact environnemental de différents dispositifs, le rendement, mais aussi des histoires d'économie, de politique, de géopolitique, et le fait d'avoir ces différents arguments là que l'on mettait ensuite en débat, donc du coup avec une expression orale, avec de la technique orale, c'était quelque chose qui était très intéressant et je pense qui permettait de vous montrer que l'enseignement scientifique, c'est bel et bien un seul enseignement avec certes trois points de vue sur le même objet et qui pouvait aussi être moteur dans des réflexions citoyennes et dans des réflexions de citoyens qui se posent des questions sur son monde et sur ce que devrait être le futur. Voilà. Merci. Alors, je vais éviter de répéter ce que mes camarades ont dit avant. Mais en tout cas, moi, du coup, je suis une élève de terminale et j'ai aucune spé scientifique, mis à part en neuromaths. Et ce que je trouve très intéressant dans cette matière, c'est qu'on m'a vraiment apporté, par les élèves qui font sciences, une approche scientifique qui ne m'est pas proposée via mes spécialités. Et j'ai pu aussi, je pense, apporter à mes camarades un autre regard avec mes autres spécialités et croiser tout ça. Et en fait...
la manière dont on nous apprend l'enseignement scientifique au lycée rejoint toute la pédagogie du LP2I dans toutes les matières. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Claudia. Alors maintenant, nous allons passer aux mentions. Donc, dans l'ordre, je vais d'abord appeler le lycée français Charlemagne à Pointe-Noire. Bonjour, je vous présente Audrey Bourion, qui est professeure de physique-chimie et de technologie. Et Madame Isabelle Desormes, qui est professeure agrégée de SVT. Nous sommes très fiers de représenter notre établissement scolaire, qui est le lycée français Charlemagne, localisé à Pointe-Noire, en République du Congo, Brazzaville, à ne pas confondre avec la RDC, et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, puisqu'il s'agit d'un lycée conventionné AEFE. Nous remercions l'Académie des sciences, le président, les membres du jury pour cette mention spéciale et pour leur invitation à cette remise des prix. C'est pour nous un grand honneur. C'est évidemment un événement majeur pour notre établissement français à l'étranger, pour l'AEFE. Il permet de valoriser la culture scientifique et l'excellence. Nous allons vous présenter l'historique de notre construction pédagogique qui nous a amené à notre conception actuelle de cet enseignement scientifique. Dans un premier temps, nous allons faire un constat de ce qui s'est passé lors de notre première année d'enseignement, puis nous expliquerons comment nous avons mûri notre projet et nous poursuivrons sur nos évolutions pédagogiques au cours de l'année scolaire et au cours de cette année. Nos expériences vécues la première année d'enseignement scientifique, l'une en France, l'autre déjà à Pointe-Noire, sous un format beaucoup plus classique, beaucoup plus scolaire, avec peu ou pas d'interdisciplinarité, a été finalement très rébarbatif pour nous comme pour nos élèves. Face à ce constat, nous avons été amenés à repenser notre vision de cet enseignement avec des problématiques communes. Comment motiver nos élèves et rendre cet enseignement accessible à tous les profils, qu'ils soient scientifiques ou non scientifiques? Comment replacer l'expérimentation au centre de cet enseignement? Comment amener nos élèves à construire leur pensée, à penser de manière critique et à communiquer? Toutefois, il y reste difficile de sortir du schéma classique une heure de SVT, une heure de physique-chimie. Après une première prise de contact rapide en fin d'année 2019-2020, on a toutes les deux réfléchi et mûri ce projet par des réflexions personnelles, par des recherches. Et à la rentrée 2020, quand on s'est enfin rencontrés, on a pu confronter ces idées. Et il en est sorti une façon beaucoup plus novatrice d'aborder cet enseignement avec nos élèves. Notre volonté était de rendre les élèves acteurs et actifs. Nous leur avons demandé de générer des groupes de travail autant que possible pluridisciplinaires, plurispécialistes, qui allaient mener une enquête sur une problématique touchant l'un des thèmes du programme d'enseignement scientifique. Pour appuyer cette réflexion, on leur a distribué des dossiers dans lesquels on avait compilé des documents. On avait donné des sites internet, on leur avait donné des vidéos et des protocoles de travaux pratiques. À partir de ces documents, donc, ils devraient travailler en autonomie par groupe. Plutôt que d'insister sur le contenu scientifique, nous leur avons imposé un format de restitution. Ils ont été ainsi amenés, comme vous pouvez le voir sur notre diapositive, à construire des frises chronologiques, à faire des BD, à faire des maquettes, à faire des courts-métrages, des animations numériques ou encore à mener des débats.
Et pour monter ces projets, ils avaient donc 2 ou 3 semaines de travail en autonomie avant de restituer oralement devant leurs camarades de classe. L'un de nos objectifs, qui était de gommer les frontières disciplinaires, de faire un tout de cet enseignement au reflet de la science et d'axer sur la diversité des productions, ça a conquis nos élèves et leur a permis d'acquérir des compétences qui sont transférables à court terme pour le grand oral, pour devenir un adulte cultivé, capable d'avoir un esprit critique, qu'on a bien démontré à l'intérieur des débats que l'on a fait, à plus long terme, dans un contexte étudiant et professionnel, à pouvoir intégrer des groupes sur des projets communs. D'autres enseignants se sont joints à nous pour ces projets. On pense notamment à, ils ne peuvent pas être là avec nous aujourd'hui, mais à M. Caro en philosophie, à M. Mollier en mathématiques, à Mme Ferraille en art plastique, ou encore à Mme Tsati Massimina en musique, qui ont encore enrichi cet aspect transdisciplinaire et nous les remercions chaleureusement pour leur aide et leur soutien dans la réalisation de ces projets. Nous avons finalement, et sans en avoir pleinement conscience, mis en place une pédagogie de projet dont nous avons découvert a posteriori l'importance. Plus important encore, on pense en tout cas avoir réussi à travers cet enseignement à fédérer nos élèves et même les moins motivés ont trouvé leur place. Certains se sont même révélés à travers cet enseignement et nous ont vraiment surpris. On a réussi à générer l'émergence d'une petite, une petite communauté scientifique à notre échelle et on a réussi à dynamiser le groupe classe et les groupes de spécialité et du coup à faire ce qui pour nous était l'essentiel de cet enseignement, à savoir enseigner la science avec un grand S. Nous tenons à souligner la spécificité de nos élèves. Nous sommes en Afrique centrale. Il y a une culture locale qui contraste quand même un peu avec la société française où la science occidentale est profondément implantée. C'est un terreau où l'esprit scientifique peut pousser de manière hybride et en tout cas probablement différente de l'Europe et où l'interdisciplinarité s'enrichit de cette interculturalité. Cette année, nous ne travaillons plus que par pédagogie de projet en accent sur la diversité des formats de restitution. On espère même, si la situation sanitaire nous le permet, faire fin janvier un voyage avec nos élèves en Afrique du Sud pour mener un de ces projets en anglais, ce qui permettrait de créer un nouveau pont interdisciplinaire avec les professeurs de langue vivante. Tout cela était possible grâce à la confiance accordée par notre chef d'établissement, M. Han, qui doit nous regarder, nous écouter actuellement, que nous remercions chaleureusement. Il nous a laissé libre d'organiser nos 2 heures hebdomadaires comme nous le souhaitions et nous a accordé les moyens nécessaires. Normalement, nos élèves nous regardent aussi. Alors, on tenait à leur dire que nous sommes très fiers d'eux et du chemin parcouru, que nous les remercions pour l'enthousiasme et le dynamisme qu'ils ont mis dans la réalisation de tous les projets qu'on a pu leur proposer. C'est grâce à eux, vous les avez tous sur cette diapositive, c'est toute la cohorte de l'année dernière, 2 classes de première. Donc c'est grâce à eux que nous sommes ici aujourd'hui et nous tenons à leur dédicacer notre mention spéciale. Merci de votre attention. Alors j'appelle maintenant le lycée de Motz à Rumilly. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes heureuses et c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous sommes ici aujourd'hui pour recevoir ce prix et vous parler de l'enseignement scientifique que nous avons mis en place dans notre établissement. Alors,
brièvement, notre établissement, c'est le lycée Démo, petit lycée de 420 élèves dans un gros groupe scolaire de 1400 élèves comprenant une école, un collège et un BTS. Nous sommes situés à Rumilly, une petite ville entre Aix et Annecy. Et donc, notre établissement a deux particularités dont je voudrais parler parce que ça nous a guidés, en fait, dans notre cheminement pédagogique. Nous sommes un lycée ouvert à l'international, donc ça fait plusieurs années que nous participons à des Erasmus, ce qui nous a permis d'aller à l'étranger et d'échanger avec nos collègues sur leurs pratiques pédagogiques. Donc, c'est une ouverture qui est très, très riche, en fait, pour nos enseignants et nos élèves. Et puis un deuxième point, nous sommes un lycée numérique, donc tous nos élèves et les enseignants sont équipés en fait d'une tablette, ce qui a permis en fait de remettre l'élève au centre de l'enseignement et d'explorer des pédagogies, notamment la pédagogie inversée, la pédagogie collaborative aussi. Et donc toutes ces pédagogies ont été mises en place et au service en fait de ce que nous voulons apporter à nos élèves. Et lorsque la réforme est arrivée, avec l'enseignement scientifique, évidemment, les enseignants s'en sont saisis pour pouvoir explorer, innover, aller plus loin, en fait, dans ce que nous pouvons proposer à nos élèves pour leur apporter un enseignement plus motivant, en fait. Donc, je laisse la parole à mes collègues. Bonjour. Alors, à des mots, en fait, c'est vrai qu'on aime la co-animation. On a retrouvé un petit peu l'esprit qu'on avait beaucoup aimé quand on faisait les enseignements d'exploration de seconde en MPS. On avait déjà beaucoup travaillé avec nos collègues de physique et on est ravis, en fait, d'avoir recommencé cette activité conjointe avec nos collègues de mathématiques maintenant. Et donc, au niveau de notre organisation, c'est vrai qu'on est un petit lycée, donc on peut se permettre de réunir nos trois classes de première sur un même créneau de 2 heures. On a à disposition 3 voire 4 salles, dont 2 laboratoires, ce qui est vraiment confortable pour nous parce qu'en fait, ça nous permet de faire selon les besoins, soit un seul grand groupe, soit 3 groupes différents, soit même parfois 4 groupes avec un petit groupe d'élèves qui peut travailler en autonomie dans une salle à côté. Et donc, on essaye au maximum de varier, de surprendre les élèves en fait, et de varier notre organisation. Parfois, ils sont en binôme, parfois à 4, parfois à 6. Et on aime un petit peu leur faire comme ça des petites surprises d'une séance à l'autre. Et on travaille aussi beaucoup grâce à notre outil numérique avec des plans de travail numériques. Et donc, l'élève sait ce qu'il a à faire sur les 4 semaines qui vont arriver et peut aussi un petit peu s'organiser comme il le souhaite dans sa progression. Et on essaye aussi de diversifier un petit peu. Enfin, on propose 2 parcours en général, avec un parcours plutôt débutant, un parcours un peu expert. Et l'élève choisit son activité selon ses... Bah, comme il se sent parfois, un jour un élève va choisir le parcours débutant et puis le lendemain ce sera l'expert en fait, c'est lui qui vraiment est acteur. On essaye de favoriser au maximum leur autonomie et puis de manière à ce qu'ils s'impliquent un maximum dans l'activité. Bonjour, parlons un petit peu maintenant du ressenti de l'ensemble des participants, on va dire élèves et enseignants. En première, nos élèves sont déstabilisés au début. Ils ont ils ressentent une espèce de malaise. Ils n'arrivent pas à s'y retrouver et ils font des remontées, des fois un petit peu, on va dire, virulentes. Voilà. En fait, ça les oblige à sortir de leur zone de confort et un peu comme nous, ben, ils n'aiment pas trop. Ensuite, par contre, la constatation, c'est qu'ils sont tous en activité. Il n'y en a pas un qui essaye de faire autre chose que ce qu'on est en train de proposer. Donc ça, c'était plutôt pour nous porteurs. En terminale, on a eu des retours des mêmes élèves, puisque nos élèves sont passés de première en terminale, où ils font des remarques. C'est « Ah, cette année, on a enfin compris le sens de cet enseignement, on est dans un état plus confortable ». Ils sont davantage acteurs de leurs apprentissages et ils ne voient plus l'enseignant comme le seul détenteur du savoir, mais un accompagnateur dans la réflexion. Ils gagnent également beaucoup en autonomie. Ensuite, la relation entre élèves et enseignants est plus riche. La relation entre les divers enseignants qui participent à ce projet a nécessité un gros travail de collaboration,
parce que nous n'avions pas choisi au départ de faire une équipe ensemble. On s'est retrouvés par le fait de nos emplois du temps ensemble. Donc il a fallu coopérer. Ça demande de la souplesse, beaucoup de curiosité dans la matière de l'autre, ce qui n'est pas toujours facile. De faire des compromis, parce qu'on n'est pas toujours aussi d'accord sur la façon dont il faut restituer les choses, dont il faut faire les choses. Et on nous sort aussi de notre zone de confort. Mais au final, pour nous aussi, c'est très enrichissant. Et on a appris beaucoup, en particulier, moi par exemple, professeur de mathématiques en SVT, parce qu'il y a très longtemps que je n'en faisais plus. Et à l'aube de la retraite, je suis très heureuse d'avoir participé à ce projet qui m'a permis, en ce qui me concerne, une ouverture encore nouvelle et d'apprendre encore. Merci. Alors, pour terminer, je vais vous présenter rapidement les points qu'on aimerait améliorer dans notre enseignement scientifique. Donc, il y a plusieurs choses que l'on n'a pas suffisamment approfondies, qu'on aurait aimé travailler peut-être différemment ou autrement sur ces premières années d'enseignement scientifique. Déjà, à commencer par le projet expérimental en première, qu'on n'a pas pu aboutir avec nos élèves sur ces deux dernières années, notamment à cause du contexte sanitaire un petit peu particulier. Donc, on aimerait réussir à aller jusqu'au bout cette année avec nos classes. Ensuite, on aimerait aussi insister davantage sur le rôle des femmes dans les sciences, de manière à ce que les jeunes filles que l'on a en face de nous ne se ferment pas à ces disciplines et qu'elles osent aller vers elles et qu'elles se les approprient également. Enfin, le dernier point qu'on aimerait aussi approfondir avec nos élèves, c'est la différenciation en allant encore plus loin sur les différents parcours que l'on peut proposer aux élèves, comme l'a présenté Delphine avec les parcours classiques, experts et ainsi de suite. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette cérémonie de remise des prix, en nous intéressant au deuxième prix, cette fois-ci le prix du livre scientifique. Pour cela, je vais donner la parole à Denis Gracias, qui est un confrère, membre de la section de physique de l'Académie des sciences. Denis. Merci beaucoup, Patrick. Je voudrais donc qu'on fasse un très rapide tour de... le lycée de Sens. Excusez-moi, il y a une mauvaise communication. D'accord. Non, tant pis. Je crois que c'est pas de chance. Voilà. Ouais, mais c'était pour mettre un peu de suspense. Ok. Donc, lycée Jeannot de Sens. Moi qui souhaitais faire une entrée discrète. Alors, on se disait avec les collègues, on va nous garder peut-être pour la fin. Bon, alors, quelques mots, je me présente Philippe Gou, proviseur des lycées de Sens, du lycée général et technologique Catherine et Raymond Jeannot, et du lycée professionnel Pierre et Marie Curie. Voilà. Alors, je suis évidemment, ainsi que mes collègues ici présents, nous sommes très honorés d'être présents parmi vous et d'avoir obtenu ce prix spécial du jury qui... ne fait que confirmer la qualité du travail mené par les équipes pédagogiques. Et mes collègues, dans un deuxième temps, présenteront la démarche qui a été la nôtre tout au long de l'année dernière et la démarche aussi qui est suivie cette année, étant entendu que c'est une véritable gageure pour nous. Nous sommes une grosse structure, puisque nous avons plus de 2800 élèves répartis sur des formations générales, technologiques et professionnelles. Et je mets justement... Je tire profit de cette manifestation pour rappeler que la réforme des lycées, pas simplement du lycée général qui occupe beaucoup
les équipes de direction, n'est-ce pas, chers collègues, eh bien, ne doit pas cacher aussi tout le travail en profondeur qui est mené au regard de la transformation de la voie professionnelle avec le chef-d'œuvre, avec le co-enseignement, qui rappelle à bien des égards ce qu'était le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel, étant entendu que la lutte que nous menons en tant que chef d'établissement et avec l'ensemble des équipes, c'est lutter contre le cloisonnement disciplinaire. Effectivement, la transdisciplinarité est très porteuse de sens. Or, je crois qu'aujourd'hui, l'école avec un E majuscule se doit de donner du sens aux enseignements, et donc c'est l'occasion pour nous de mettre à profit la réforme pour justement mettre les équipes pédagogiques en situation de pouvoir travailler sur le sens, sur la porosité des disciplines, qu'il s'agit de la voie professionnelle, mais également de la voie technologique, qui est aussi une autre voie de la réussite, sans parler évidemment de la voie générale. Donc c'est une véritable gageure, parce que dans un lycée comme le lycée Jeannot, c'est cette année, par exemple, 13 divisions de première générale, donc plus de 425 élèves qui sont concernés par l'enseignement scientifique. Pour conclure mon propos et puis finalement faire le lien avec les collègues qui vont présenter la démarche qui a été suivie, en écoutant tout ce qui a été dit précédemment, je me disais que finalement, l'enseignement scientifique peut se résumer finalement à cette formule « le tout est supérieur à la somme des parties ». C'est ce qui va permettre justement donner du sens, ouvrir aussi des perspectives avec, et ça a été évoqué d'ailleurs précédemment, et je voulais conclure là-dessus, ce que je trouve très intéressant dans la réforme du lycée, qui est encore en cours, puisque la session définitive du baccalauréat, si je ne me trompe, ça sera la session 2023, alors que normalement elle devait rentrer en application en 2021. Ce qui est très intéressant, c'est derrière effectivement ce décloisonnement disciplinaire, la personnalisation des parcours, avec des élèves qui, par le choix des enseignements de spécialité, sont dans une approche experte, qu'il s'agisse des enseignements scientifiques ou littéraires, mais aussi dans une approche mixte, puisqu'on donne la possibilité, c'est important, aux élèves d'avoir à la fois des appétences dans le domaine littéraire et scientifique. Le littéraire que je suis de formation est le premier conscient du fait qu'un bon scientifique est aussi un bon littéraire. Et justement, l'enseignement scientifique participe de ce postulat. Et maintenant, je vais laisser la parole à deux de mes collègues qui vont vous présenter plus concrètement le travail qui a été mené tout au long de l'année dernière. À vous, les collègues. Bien, bonjour et merci pour l'intérêt que vous avez porté à notre dossier. Merci pour votre invitation et merci pour la distinction dont vous nous honorez. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment nous avons fonctionné. Donc, à la mise en place de la réforme, donc c'était en juin 2019, nous nous sommes réunis, donc tous les enseignants de physique, chimie et de SVT qui étaient concernés, intéressés par l'enseignement scientifique. Donc, ça faisait à peu près 25 professeurs. Et nous nous sommes interrogés sur que faire dans cet enseignement scientifique. Alors, on avait préparé le petit tableau là qui est au centre. Et donc, on avait commencé par se répartir les différents sujets, les différents chapitres, en fonction des matières. Et ce qui est apparu assez vite, c'est que dans cet enseignement, cette fois-ci, contrairement à l'ancien programme de première L et ES que l'on faisait avant, les matières étaient beaucoup plus imbriquées qu'auparavant, c'est-à-dire que certains chapitres pouvaient être aussi bien traités par la physique chimie que par l'SVT, comme par exemple le deuxième chapitre là, sur la cristallographie. Donc là, évidemment, on a essayé d'équilibrer pour que chaque professeur ait son horaire et chaque matière ait aussi son horaire, conformément au lycée, aux horaires du lycée. Et puis là-dessus, on a décidé de travailler tous ensemble finalement, de produire plus ou moins des sujets communs. Et puis surtout ces professeurs, bien tous les quatre, là, donc il y a deux professeurs de physique chimie, deux professeurs de SVT. Nous avons décidé finalement de resserrer un petit peu plus les liens, donc on se connaissait un petit peu, et on a resserré les liens de manière à travailler plus encore ensemble que les autres collègues. Et ce qui fait que là, on s'est dit, si on pousse encore le raisonnement plus loin, puisque c'est un enseignement scientifique et donc ce n'est plus physique, chimie et SVT, eh bien, un seul professeur, finalement, peut-être sera capable d'assurer à la fois la physique, chimie et la SVT. Et donc, au regard des programmes, on s'est quand même rassuré, on a regardé le niveau qui était demandé, puis on s'est dit, avec un petit peu d'aide, on va faire tout ce qui est possible pour remédier à tout ça. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que la mise en danger, finalement, nous, ça avait été plutôt un moteur,
de se mettre en danger, de repartir comme des débutants finalement dans des matières qu'on ne maîtrisait quasiment pas ou dont on ne se rappelait plus. Pour moi, la SVT, personnellement, ça remontait à la terminale, donc je ne dirais pas combien de temps, mais ça fait beaucoup maintenant. Et donc, voilà, on s'est mis en danger là-dessus. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait notre travail. Alors après, bah, voilà, à droite, là, on vous a mis un exemple de document. Donc, on travaillait comme ça. Les professeurs de SVT, évidemment, de base, proposaient des activités de SVT. Et puis ensuite, nous les proposaient à nous. Donc, on relisait. S'il y avait des choses qui n'allaient pas, on leur demandait des explications. Notamment les séances sur le microscope, ben on leur a demandé des formations sur le microscope parce que on savait ce que c'était qu'un microscope quand même, mais on ne savait pas l'utiliser dans les règles de l'art comme ils sont capables de le faire en SVT où pour eux un microscope c'est quasiment religieux, alors que nous un microscope c'est un ensemble de lentilles, rien de plus. Donc voilà, on s'est approprié leur instrument, et puis vice-versa, sur d'autres domaines, comme par exemple le domaine des sons, là on a fait l'inverse, ils n'étaient pas très très intéressés par les sons au départ, donc on a essayé de les pousser dans cette direction, puis de les intéresser aux sons, et de leur montrer les logiciels dont on disposait, les traitements de sons, les traitements sonores, d'harmonique, etc. Et donc finalement, bah, ça les intéressait aussi. Donc c'était cette mise en danger surtout qui nous a intéressés. Alors après, une fois qu'on a fait ces documents, qu'on a fait nos formations, bien chacun de son côté avait la trame. Et puis après, ben on remettait en forme, évidemment, conformément à nos habitudes. La SVT travaille plutôt sous forme de livret, et que nous, en physique-chimie, on travaillait plutôt sous forme d'activités, exercices essentiels. Donc bon, on respectait quand même nos habitudes que l'on utilisait, quoi, sans trop en déborder. Voilà. Et donc, au global, ben, c'est un bilan plutôt positif. Et si bien qu'en fin d'année, eh bien, on avait mis en place une préparation qui avait duré toute une journée à l'attention de tous nos collègues de physique, chimie et de SVT qui étaient intéressés par ce fonctionnement. Et donc, ben, on avait fait des ateliers, donc un atelier de physiciens pour biologistes et puis un atelier de biologistes pour physiciens. Et on a réussi quand même l'année d'après à entraîner avec nous quelques collègues qui étaient d'accord pour suivre ce mode de fonctionnement. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. Voilà, donc je passe la parole à mon collègue pour le bilan. Oui, je vais en profiter pour faire un petit bilan, pour savoir en fait qu'est-ce qui pourrait faire que les démarches que nous on a mis en place dans ces différents lycées puissent être réparties sur un plus grand nombre d'établissements. Il s'agit d'abord de lever un certain nombre de barrières. Quelles sont les barrières qui font que dans d'autres établissements on ne fait pas ce genre de choses? Et moi, par exemple, avec mon épouse, on a changé d'établissement et donc on se confronte avec une autre réalité. Eh bien, d'abord, il y a une réticence quand même institutionnelle à mélanger les disciplines. Peut-être que dans votre institution, il y a toujours peut-être des réticences entre collègues à discuter entre vous. Nous, en tout cas, on la sent encore entre les enseignants. Parfois, même d'ailleurs, j'imagine, dans le corps des inspecteurs, il y a parfois aussi parfois des réticences encore à mélanger. Donc, c'est une réticence partagée. Ça demande un travail colossal, je crois qu'on l'a tous dit, c'est un travail colossal que nous avons mené pour échanger entre nous, pour construire des choses nouvelles. Donc ça, c'est une vraie barrière. Et puis j'en ai noté aussi une troisième, c'est la crainte, tout simplement, des enseignants à ne pas être à la hauteur. On a l'impression comme ça qu'on arrive, qu'on sait tout et qu'on dit des choses. Non, souvent, bah, beaucoup de collègues, et nous aussi, voilà, c'est un peu, est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on est légitime pour faire ce qu'on est en train de faire? Et ça, c'est, chez beaucoup de collègues, ce qui les empêche d'aller plus loin. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser ça? Eh bien, d'abord, il y a des aspects très pratiques. Nous, par exemple, le fait qu'on fonctionne en une classe par élève, bah, ça fait qu'on a 2 heures par semaine. Eh bien, voir une classe 2 heures par semaine, bah, c'est beaucoup mieux que de l'avoir qu'une heure. Pour les élèves, bah, c'est une matière qui est un petit peu plus importante. Pour nous, on les connaît mieux. On a moins de copies aussi. On a moins de conseils de classe. Bah, ça, c'est des arguments tout bête, hein, tout pratique, mais qui peut aider à ce qu'il y a davantage d'interdisciplinarité. Après, il y a des leviers techniques, bah, les dédoublements, par exemple, que nous, on a eu la chance d'avoir pour les TP et que beaucoup d'établissements ne font pas. Hein, il faut quand même se rendre compte qu'il y a beaucoup d'établissements qui ne peuvent pas mettre en place de travaux pratiques pour ces raisons-là. Et donc voilà, il y a un certain nombre de barrières qu'on peut lever comme ça. Par exemple, dans notre équipe, on a réussi à convaincre d'autres enseignants progressivement d'intégrer ce parcours-là.
Et un petit mot pour la terminale, puisqu'il a été noté qu'effectivement, en terminale, on avait segmenté tout le programme, on avait respecté les trois thèmes, et chaque thème donc, est proposé par une discipline. Donc ça aussi, hein, ça a demandé beaucoup de travail, ça a demandé de la formation entre nous. Il y avait des barrières à lever, mais ça a permis de lever un certain nombre de problèmes et d'échanger davantage. On peut noter aussi que le fait que, par exemple, comme on voit les élèves plus, bien, le rôle de professeur principal peut être aussi un enseignant de la matière enseignement scientifique, puisque lui, il a tous les élèves de la classe, alors qu'aujourd'hui, tout est explosé entre différentes spécialités. Donc ça aussi, c'est un avantage très, très pratique. Et puis aussi, ça nous a permis de mettre en place une grande diversité d'activités pour changer d'habitude. Donc, nos différents collègues nous ont fait une liste, hein, mais voilà, il y a l'expérimentation, la modélisation, les travaux de groupe, qu'ils soient différenciés ou non, il y a le projet expérimental. Et tout ça peut aussi motiver effectivement les élèves et puis bien sûr les collègues à changer un petit peu de pratique et à se lancer dans cette aventure, je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui est l'enseignement scientifique. Et enfin, le retour des élèves, par rapport à nous, ce qu'on a mis en place, est vraiment positif. On a vraiment une quasi-unanimité des élèves qui préféraient fonctionner comme ça, avec un intervenant plutôt que trois ou quatre, tout ça découpé en quelques heures ou quelques demi-heures. Donc ça, c'était vraiment positif pour eux, donner un seul cadre à l'ensemble de cette discipline. Ça donnait du sens à cette discipline qui n'est pas forcément compris et pas forcément répandu. Donc j'espère que l'institution fera tout pour réfléchir à qu'est-ce qu'elle peut mettre en œuvre à son niveau et puis à notre niveau à nous pour répandre un petit peu ces projets qui ont été faits. J'imagine qu'avec les évaluations, les enquêtes que vous allez faire, on pourra mieux comprendre quels sont les leviers institutionnels et locaux qui vont nous permettre d'essaimer un petit peu plus ce qu'on a fait nous à notre niveau. Je vous remercie beaucoup. Voilà, alors je la refais. Donc maintenant, nous en avons terminé avec le prix du lycée scientifique et nous allons aborder le deuxième prix, qui est le prix du livre d'enseignement scientifique. Et pour ça, je vais donner la parole à mon voisin Denis Gracias, qui est membre de la section physique de l'Académie des sciences. Je ne sais pas si je dois oser ouvrir mon micro. En tout cas, je voudrais adresser toutes mes excuses à nos amis de l'ENS, bien entendu, si vous n'étiez pas volontaires, ils l'auront compris. Parler de l'enseignement, c'est une chose importante, et malheureusement, si j'ose dire, un outil essentiel qui apparaît dans l'enseignement s'appelle le manuel. Le manuel, d'ailleurs, est vu par tous comme étant le programme, ce qu'il n'est pas. Mais il s'inspire du programme pour donner une version utilisable, si j'ose dire, aux élèves. Alors le manuel, on s'y est intéressé beaucoup au jury, et ce que je me propose, c'est de vous donner quelques teintures, quelques points qui nous ont paru particulièrement intéressants sur les manuels très particuliers que sont ceux de l'enseignement scientifique. Très particuliers parce que comme cet enseignement, ils sont nouveaux, et donc les éditeurs ont essayé de faire quelque chose qui soit original et qui colle avec l'état d'esprit que Pierre a rappelé, que vous avez tous rappelé, de cette pluridisciplinarité extrêmement, extrêmement importante. Il s'agit, je vous le rappelle, d'utiliser les connaissances qui sont déjà acquises dans les principales disciplines jusqu'en classe de seconde, disons, pour pouvoir avec ça discuter, comprendre les développements et les progrès de l'humanité dans sa connaissance du monde et les grands défis auxquels elle doit faire face.
Et il n'est plus question d'enseigner des mathématiques, d'enseigner de la physique, d'enseigner des SVT, d'enseigner des SI ou des sciences numériques. Il est question d'utiliser tout ça pour devenir un citoyen responsable. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut en effet, comme vous l'avez si bien exprimé et démontré, des professeurs polyvalents au sens d'un intellect qui fonctionne dans toutes les directions. Et c'est extrêmement important. Il était fondamental pour nous tous, ici en particulier à l'Académie, que cet enseignement fonctionne. Fonctionne bien, c'est vital. Et donc, les manuels, on les a regardés un petit peu sérieusement, si j'ose dire, en regardant par le détail. Première chose, ce sont des très beaux ouvrages. Ce sont des ouvrages quadrichromiques, papier glacé, qui pèsent leurs 800 grammes et qui cassent le dos des élèves, comme tous les autres ouvrages, d'ailleurs. Quand on les ouvre après, j'avais eu ce mot en disant « cet ouvrage, c'est un livre à fragmentation ». Alors, quand je dis à fragmentation, ça veut dire que dès que vous les ouvrez, vous vous apercevez que vous tombez dans de diverses rubriques. Ce n'est pas un cours. C'est un cours. Ce sont des activités. C'est de l'histoire des sciences. C'est des cartouches d'approfondissement. D'autres cartouches avec des formules, ça et là. Bref, ce sont des ouvrages tout à fait surprenants pour une vieille personne comme moi qui lit d'ordinaire un cours qui fait plus d'une page. Très curieusement, les manuels, c'est pas propre à l'enseignement scientifique, le cours, proprement dit, fait rarement plus d'une page. On a l'impression aujourd'hui qu'un élève ne peut pas lire plus loin qu'une page. Ça, c'est une chose qui nous a un peu choqués, si, pas choqués, intéressés, au sens où c'est vraiment... Il y a une extraordinaire diversité de rubriques au sein d'un même ouvrage. Cette diversité de rubriques peut s'entendre assez bien parce que, finalement, les élèves provenant de niveau scientifique ou d'appétence scientifique différente, chacun peut choisir la façon qui lui convient le mieux d'aborder le sujet, pourquoi pas. Le contenu était presque tous, excusez-moi, tout ce qu'on a lu en tout cas, suivent les indications du programme de façon organisée et parfaitement cohérente. Évidemment, dès qu'on commence à le lire un peu par le menu, on s'aperçoit que 2 heures par semaine d'enseignement d'un manuel est tellement énorme qu'on ne pense pas que même les élèves les plus férus en sciences pourraient avaler l'intégralité de ce qu'il y a dans les manuels, car ceux-ci non seulement prennent les grandes lignes du programme, mais viennent y rajouter, ça et là, un certain nombre d'approfondissements qui, pour certains, je vais vous en montrer un ou deux, je les ai trouvés très amusants, confinent à la grande expertise. J'en cite un comme ça, dans la cristallographie, nous en parlions tout à l'heure, est cité le polonium comme un métal cubique simple, ce qui est parfaitement exact. Mais franchement, ça c'est d'une expertise exceptionnelle, ça doit être le sel, le cubique 5 n'a aucun intérêt au point de vue scientifique. Bien entendu, ce sont des cubiques face centrée et autres, je ne vais pas rentrer là-dedans, bien sûr, mais c'est très intéressant de voir que des gens ont réussi à aller chercher peut-être le seul et unique exemple d'un cubique simple monoatomique, pour le citer, entre parenthèses, 2 mg de polonium suffisent à tuer la salle, donc il n'est pas vraiment utile de les mettre dans les laboratoires. D'autres points, quand on énonce des grandes choses, on se sent contraint de les énoncer de façon extrêmement courte. Alors voici un énoncé d'une définition dans l'un des ouvrages en question. Un forçage positif signifie que la quantité d'énergie émise est plus importante que celle reçue du soleil, deux points, il tend donc à réchauffer. Ben, si avec ça vous avez compris la thermodynamique, quant à moi j'ai eu le plus grand mal et j'ai même compris l'inverse de ce qu'on me proposait de dire. Bref, il y a un certain nombre de choses qui sont peut-être surnuméraires dans les ouvrages et qui en rendent parfois la lecture un peu difficile. Ils sont illustrés énormément. Grosso modo, plus de la moitié de la surface des ouvrages est une illustration. Parfois, les illustrations sont inutiles. D'autres fois, elles sont trompeuses. Je voudrais vous en citer une, trouvée aussi dans 2 des ouvrages, où il est question de la rotation de la Terre autour du Soleil.
Donc nous voyons un soleil qui est ici et nous voyons la Terre qui tourne et on nous a bien enseigné, loi de Kepler, qu'il s'agit d'ellipse. Donc on voit quelque chose comme ça, vous voyez mon doigt, et la première chose que pense un élève ou que pense n'importe lequel d'entre nous, c'est que quand la Terre est près du soleil, c'est l'été, et quand elle est loin du soleil, c'est l'hiver. Ce qui est gravissime, bien sûr. Mais voilà le genre de... Surtout, ne dessinons pas d'ellipse. L'ellipse, la vraie, elle est extrêmement faible, son excentricité. Dessinons des cercles. Et là, on pourra se poser la question de savoir d'où viennent les saisons. Dans l'ensemble, aussi, on a observé, et c'était mentionné tout à l'heure, que les mathématiques, les sciences numériques et informatiques, les sciences de l'ingénieur, sont... pas directement concernés par les programmes, mais n'apparaissent qu'à titre d'outils. Les maths, on les voit arriver avec une formule qui est un rappel qu'on a donné, ça et là. Là, ici, presque jamais. Et les sciences numériques, à part dans le son, où elles sont assez... Elles viennent un peu pour les problèmes de compression, elles sont très peu discutées. Alors, le point important, c'est que... dans les modèles, il serait possible dans ces ouvrages de montrer ce qu'est un modèle. Un modèle, c'est une idée qu'on va quantifier. Et on va la quantifier avec une expression en général mathématique. Dans les plus simples, c'est une fonction. Les un peu plus compliqués, c'est une équation différentielle. Mais ça sera quelque chose qui va avoir un sens mathématique. Et là vient se brancher les mathématiques pour dire ce que... comment un modèle va évoluer. Vous savez, il y a une fonction que tout le monde connaît ici et qui est absolument extraordinaire, ça s'appelle l'exponentielle. L'exponentielle, je ne comprends pas pourquoi dans le lycée on ne comprend pas, on ne fait pas sortir à quel point cette fonction est dramatique. Il n'y a rien qui va plus vite qu'une exponentielle. Que les élèves, quand on leur parle d'exponentielle, qu'ils comprennent ce que c'est, que ça veut dire, c'est l'explosion, cet objet. Et je trouve ça intéressant que, sans faire plus de mathématiques qu'on en a fait avant dans classe de seconde, que l'on puisse revenir, ça et là, sur un certain nombre de fonctions qui viennent pratiquement du sens physique des choses. Alors il y a aussi un problème. D'abord, la dimension historique est plutôt bien. À des tas d'endroits, il y a effectivement l'histoire d'un concept, l'histoire des sciences. Il n'y a que de très rares endroits où on nous parle de la place des femmes. Parce que dans l'histoire, elles ne figurent pas, pour des raisons de civilisation évidentes. Par contre, aujourd'hui, nous avons de très nombreuses femmes dans tous les domaines des sciences, qui sont des personnalités de très haute valeur. Donc on pourrait penser... enfin, l'idée, c'est de demander aux éditeurs de ne pas hésiter à aller interviewer, à aller discuter avec les femmes d'aujourd'hui, de la science d'aujourd'hui. Elles sont la moitié des scientifiques. La dimension philosophique, elle est bien présente sur l'angle de l'épistémologie, mais de façon assez inégale. Il y a bien sûr le rôle, et c'est le rôle fondamental, le rôle de l'esprit critique. Nous sommes dans une civilisation où les fausses nouvelles sont pléthores. Vous vous rendez compte qu'on est capable de faire avaler aux gens qu'en faisant une vaccination, on peut avoir une puce 5G. Bon. Si seulement. Absolument. Donc, c'est très important que tout cet ensemble-là soit bien borné et qu'on montre ce que l'esprit scientifique signifie. D'une façon générale, nous avons émis un souhait. Bien entendu, je m'adresse à la DGESCO et c'est un souhait qui n'est qu'un souhait. C'est que ces ouvrages, malgré leurs défauts, qui sont très beaux, je le redis, un élève une fois m'a dit, pas sur celui-là, mais sur un, enfin peu importe, m'a dit, oh bah quand je prends mon bouquin là, j'ai l'impression d'avoir un catalogue des jouets de Noël. Et c'est pas très faux quand vous regardez, il ressemble à ça, les couleurs sont partout, c'est un peu la même chose. Toutefois, ils sont quand même extrêmement précieux parce que pour nombre d'élèves, ça va devenir le dernier ouvrage scientifique dont il va disposer. Et il y aurait cette idée qui consisterait à proposer à l'éducation nationale de dire cet ouvrage-là, celui-là, l'élève peut le garder. Parce que c'est finalement la seule référence pour nombre d'entre eux qu'ils vont garder des sciences.
Donc, globalement, les manuels souffrent peut-être un peu de temps en temps d'un gonflement trop fort dans les exemples, dans le nombre trop grand de cartouches qui figurent un peu partout. On espérerait un peu. L'un d'entre nous avait utilisé un mot, un peu une plaisanterie en disant « Nous devrions faire un prix de la sobriété ». Et en effet, on demanderait peut-être un peu de sobriété. Entre parenthèses, certains des éditeurs très talentueux ont écrit le livre du professeur. Eh bien, je ne vous cache pas une chose, c'est que le livre du professeur se lit beaucoup plus facilement que le livre de l'élève. Lequel livre d'élève, d'ailleurs, est aussi le livre du professeur, en tout cas pour l'enseignement scientifique, ça semble à peu près évident. Pourquoi le livre du professeur se lit plus facilement ? Parce qu'il n'y a que l'essentiel. Et donc, nous, avec ces remarques, ce qu'on espérerait pour les prochaines éditions, c'est qu'il y ait un choix peut-être un peu plus restreint, peut-être un peu mieux ciblé, d'exemples qui soient de véritables exemples et non pas des expertises absolument affolantes. J'en avais trouvé une autre, elle me vient à l'esprit, sur le technetium 98M. Hein ? Tout le monde manipule le technetium 98M chaque matin. Eh bien non, il est utilisé uniquement en SVT pour les tests cardiaques d'effort. Mais de savoir que c'est dans le livre scientifique, je ne sais pas comment vous dire, c'est très bien. Mais est-ce fondamental ? Est-ce que c'est ça qu'on veut que les élèves gardent ? Ce n'est pas évident, n'est-ce pas ? Donc on espérerait peut-être pour les prochains une présentation plus sobre des sujets. Et puis aussi que chaque sujet soit discuté plus en profondeur et dans la perspective qui correspond à son importance relative vis-à-vis de la société. Et pour cela, donc, nous avons choisi deux ouvrages qui répondent au plus près de cet esprit de vouloir faire quelque chose d'assez unifié, une bonne coordination. Et les résultats donc pour les lauréats 2021 qui sont ici. Pour le livre de classe de première, nous avons choisi le livre de l'éditeur Magnard. Ce livre avait une vision claire, sobre, tout à fait dans l'esprit de l'enseignement scientifique, mais il n'est pas le seul sur ce sujet, tel que décrit dans les programmes, et une présentation explicite et très synthétique avec une unité, une forme d'unité d'expression. On doit probablement cette unité d'expression à Madame Béatrice Salvia, qui est ici, et qui en est la coordinatrice, et qui donc va recevoir tout à l'heure le prix, Béatrice, par notre président. Pour ce qui concerne la classe de terminale, nous avons choisi l'édition Belin, qui est très fouillée, très bien construite, une architecture immédiate, lisible, excellente compréhension et déclinaison des objectifs du programme, c'est en commun avec le Magnard, si j'ose dire, une vraie dimension mathématique qui n'était pas partout, avec des représentations graphiques. Oui, j'ouvre cette parenthèse, excusez-moi, c'était marqué, mais j'ai horreur de lire des papiers. Il va de soi que les mathématiques sont non seulement importantes pour l'enseignement scientifique, mais si déjà tous les élèves apprennent à lire correctement un graphique, qu'est-ce qu'on aurait avancé ? Je sais qu'il y a des très hautes personnalités politiques qui ne font pas de la politique en regardant les graphiques, certes, mais elles sont très peu. Et elles sont à des très hauts niveaux de l'État. Et donc, nous n'avons, quant à nous, il est quand même utile qu'on puisse lire un graphique, c'est absolument essentiel, c'est des mathématiques élémentaires, simples, mais ça mérite qu'on puisse revenir dessus sur comment on trace des données en fonction de d'autres données. Sous l'angle de l'épistémologie et sur le rôle de l'esprit critique en science, une dimension philosophique, vous avez donné remarquable, en particulier sur les grands sujets de la contemporain. L'analyse scientifique des questions climatiques, biodiversité, nucléaire, positionnement entre le certain et le probable. La mise au jour des problématiques sociétales sont extrêmement bien faites.
Et donc, je cite les deux coordinateurs qui, comme Madame Salvia, sont probablement en grande partie, sinon responsables du moins, sont ceux qui représentent ce travail d'unité. Donc, il s'agit de Samuel Robillard et Julien Brouwers. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons donner la parole aux auteurs et à la première autrice. Béatrice, c'est à toi. Je baisse le micro. D'accord. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Délégué à l'éducation et la formation, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des sciences, Mesdames et Messieurs, chers professeurs et chers élèves, avant tout, je voudrais dire combien je suis émue de prendre la parole devant votre assemblée au nom de toute l'équipe qui a contribué à l'élaboration de cet ouvrage primé. Et c'est avec une immense reconnaissance que nous mesurons pleinement le grand honneur qui nous est fait. En cette période automnale, où pleuvent les prix littéraires essentiellement attribués à des romans et des essais, il est particulièrement touchant et rassurant que l'Académie des sciences ait pris l'initiative de récompenser des livres scolaires. Le programme d'enseignement scientifique en classe de première destiné à tous les élèves de lycée général était tellement innovant que nous n'avions pas de modèle auquel nous référer, sinon sur la forme donc, dont Denis Gratias nous a évoqué le morcellement et l'éclatement peut-être, en tout cas sur le fond. Donc malheureusement, sur la forme, il n'a pas forcément été possible de modifier des structures maquettaires qui existaient déjà pour d'autres manuels. Bon, de sorte tout de même qu'il nous fallut inventer de nouveaux contenus et de nouvelles modalités d'écriture en nous aventurant hardiment et ardemment sur des chemins jusque-là inexplorés. Notre équipe était composée de 6 professeurs de lycée, de 3 voire 4 disciplines différentes, en tout cas qui maîtrisaient ces disciplines, et puis de plusieurs professionnels de l'édition que nous ne pouvons pas non plus oublier, car ils avaient aussi des formations en sciences, des formations littéraires et aussi en art graphique. C'était donc un travail collectif, un travail qui n'était pas que celui des auteurs, je dois quand même ici le souligner. Alors j'aurais pu évoquer la place du récit en sciences, la place du récit aussi en pédagogie, car je pense que c'est important, il est vrai, de comprendre pourquoi on a besoin d'un texte linéaire pour apprendre des notions. Je n'ai pas le temps en 5 minutes de faire cette analyse, et je m'en tiendrai à la question de l'interdisciplinarité. La recherche minutieuse et inspirée dans chaque discipline demeure plus que jamais vitale. Il y a toutefois une égale urgence à réussir l'intégration de ces spécialités. Ces mots étaient ceux de Murray Gell-Mann, prix Nobel de physique, inventeur du quark et auteur d'un ouvrage intitulé « Le quark et le jaguar » qui est, dont nous avons beaucoup apprécié la lecture pour avoir quelque chose qui soit aussi théorique quant au travail que nous allions mener, car notre projet éducatif ne donnerait de réponse pédagogique bien adaptée à ce nouveau programme que s'il reposait sur de solides appuis théoriques et pratiques aussi. Alors, comment éviter de simples juxtapositions et avancer vers l'intégration ? Comment en finir avec une société complètement transformée par les sciences dures, mais de l'autre, dirigée par les sciences douces ? Ces mots de notre regretté Michel Serres,
qui figure dans la nouvelle préface du tiers instruit, nous ont aussi beaucoup fait réfléchir. Il nous rappelle dans cet ouvrage que tout apprentissage est un métissage et naturellement cela a inspiré notre réflexion. Nous avons opéré un découpage en 14 chapitres. Le programme étant bien structuré, cela n'a pas été difficile. Première partie, une longue histoire de la matière, je le dis pour les personnes qui ne connaîtraient pas les contenus. Peu de personnes ici, je pense. Deuxièmement, le soleil, notre source d'énergie. Troisièmement, la Terre, un astre singulier. Et enfin, son, musique, porteur d'informations. Donc, matière, énergie, information, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. On voit que toutes les sciences s'unissent pour décrire, mesurer, expliquer, dater les objets qu'elles étudient. Par exemple, dans le thème 4, le chapitre 11, donc, était le son phénomène vibratoire. Le chapitre 12, la musique ou l'art. Donc ce chapitre 11 était sous la responsabilité d'un professeur de physique. Le chapitre 12, qui s'intitulait La musique ou l'art de faire entendre les nombres, était sous celle d'un professeur de mathématiques. Le 13, le son, une information à coder, sous celle d'un professeur de physique qui était expert dans le domaine du numérique. Et enfin, le chapitre 14, vous l'aurez deviné, entendre la musique, était, puisqu'il s'agissait, un de nos élèves l'a rappelé tout à l'heure, de comprendre comment fonctionne l'oreille et comment on entend, ce qui n'avait jamais été enseigné en sciences de la vie et de la Terre jusqu'à présent, dans les programmes. Alors que l'audition est quand même une fonction importante pour notre vie quotidienne. Donc un professeur de sciences de la vie et de la Terre était responsable de ce chapitre. Et puis ensuite, chacun était responsable de l'écriture d'un premier jet avec un binôme. Là aussi, nous avions créé ce que vous avez fait dans les établissements scolaires. Et puis, chaque auteur, avec son binôme d'une autre discipline, avait pour responsabilité d'écrire le cours en premier. Donc, en effet, ce cours qui ne tient que sur deux pages et qui est relayé, enfin, qui se déduit, on va dire, d'activités qui sont proposées dans des doubles pages sous forme de 3-4 activités avant d'arriver à obtenir ce cours. Et puis, des exercices aussi. Et là aussi, nous avons essayé d'inventer beaucoup d'exercices qui n'existaient pas. Quel t-shirt on doit mettre quand on va en montagne, qui fait chaud, en fonction de l'albédo, enfin des choses un petit peu originales que nous n'avions jamais vues ailleurs, mais que nous avons essayé d'inventer. Dans une deuxième phase, des échanges épistolaires, mais aussi beaucoup, beaucoup de réunions le samedi et le dimanche, nous ont permis de voir ce qui était trop disciplinaire, ce que certains collègues ne comprenaient pas de la part des spécialistes, ce qui fait que peu à peu les textes se sont modifiés. Il y a eu énormément de réécriture jusqu'à ce que tout le monde soit capable de comprendre ce que voulait dire le référent. Il faut savoir aussi que l'équipe était constituée d'auteurs pratiquement tous débutants et que donc c'était aussi un atout quelque part parce qu'ils n'avaient pas de schéma préalable dans la tête et par contre une très bonne expérience dans leur vie de classe. Voilà, donc ces reformulations, des multitudes d'ajustements ont été effectuées jusqu'à ce qu'un consensus émerge, que la clarté soit évidente, la rigueur scientifique respectée et aussi que soit saisie la beauté des raisonnements et enfin jusqu'à ce que le doute, qui n'est pas du scepticisme, se soit incliné face à la preuve. Donc, j'espère ne pas dépasser les 5 minutes. En complément de ce travail rédactionnel, nous avons conçu des ressources numériques spécifiques avec des vidéos d'expérience. Donc, nous sommes allés aussi tourner des petites scénettes avec des expériences. Nous avons aussi organisé des interviews de personnalités
Et ces apports dynamiques allaient compléter la forme que l'on peut considérer comme figée du livre papier, mais qui a aussi ses avantages, car on peut le tenir en main et en voir toute la profondeur et le contenu d'un seul coup. Voilà, donc nous avons essayé de faire notre possible, en toute humilité, pour que ce manuel, muni de ses extensions, soit efficace dans la consolidation aussi et l'évaluation des apprentissages. Bon, tous les exercices proposés sont corrigés et de manière détaillée dans le livre du professeur aussi, afin que ces derniers, dans la mesure où ils n'auraient pas toutes les bonnes conditions qui ont été les vôtres dans vos établissements, puissent quand même, même s'ils étaient tout seuls, exercer, réaliser cet enseignement. Pour conclure cette brève communication, il m'appartient au nom de toute l'équipe de remercier vivement le jury qui nous a attribué ce prix. Et vous avez parlé beaucoup de concertation, de co-intervention, de co-préparation. Eh bien, en effet, je pense que c'est cela le secret de l'enseignement du futur pour nos élèves qui sont dans un monde très complexe et pour lesquels, certes, il est très important d'aller au fond des disciplines, de maîtriser au moins quelques disciplines de manière extrêmement profonde, mais pour lesquels aussi il est important d'avoir une approche qui soit pluridisciplinaire, avec non pas une juxtaposition des disciplines, mais bien une intégration. Cela prend du temps, évidemment, cela n'est pas facile, mais quelle joie, comme vous le disiez, quand on a réussi à soi-même comprendre des choses qu'on n'avait pas comprises, ou bien faire des liens, créer de l'unité dans quelque chose qui nous apparaissait au départ disparate et confus. Bon, alors peut-être un dernier mot. Bon, qui est un petit peu ancien, qui vient d'un ministre de la Troisième République, ayant écrit des manuels scolaires, mais que je trouve belle. Donc je vais terminer par cette phrase. « Ce que nous voulons, c'est dissiper dans l'esprit des enfants les chimères, les préjugés, c'est-à-dire leur apprendre à observer, à classer, à généraliser, à déduire, afin que, parmi les orages de la vie, ils soient comme le navire à qui l'aiguille aimantée marque sa route et dont la cale bien lestée assure l'équilibre. » Voilà, merci. Maintenant à Samuel Robulard et Julien Broès pour le livre aux éditions Belin. Monsieur le Président, Monsieur le Délégué à l'éducation et à la formation, Mesdames et Messieurs de l'Académie des sciences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est un immense honneur pour nous de recevoir ce prix. Nous remercions chaleureusement l'Académie pour son invitation et pour cette distinction, au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce manuel d'enseignement scientifique. Cela nous a fait très plaisir d'entendre la déclinaison concrète, d'entendre les témoignages des équipes pédagogiques et des élèves, la mise en œuvre de ce programme d'enseignement scientifique. Nous souhaitons remercier les éditions Belin Éducation, et tout particulièrement Stéphane Frey et Edith Grebelet, ici présents, pour l'intense travail de coordination, de construction et de maturation qui fut nécessaire à ce manuel. Nous remercions également tous les auteurs, les 12 auteurs, qui ont contribué avec talent à son écriture. Faire un manuel, c'est une dynamique collective. Une fois que la direction d'ouvrage et les éditeurs ont fait l'exégèse du programme, une équipe d'auteurs, eux-mêmes enseignants, produit une matière première à partir des sources primaires qu'il faut identifier, sélectionner.
Cette difficile collecte d'informations est une étape cruciale qui demande notamment validation scientifique, transposition didactique. Les éditeurs et la direction d'ouvrage travaillent alors main dans la main pendant plusieurs mois pour définir, sélectionner et structurer les contenus dans l'esprit des programmes et s'assurer de leur adéquation avec le niveau des élèves. Les graphistes, les illustrateurs, les iconographes, les maquettistes apportent à leur tour leurs expertises pour élaborer ces beaux objets que vous mentionniez, que sont les manuels scolaires d'aujourd'hui. Suivre les formulations et les intentions du programme, décliner les productions de la science en manuels pédagogiques, représente chaque fois une gageure. Les connaissances scientifiques fournies par les publications primaires, les articles de revue, les rapports de synthèse ou les échanges directs avec les chercheuses et les chercheurs ne sont généralement pas formulés pour des élèves. Rendre accessible à des scolaires la connaissance scientifique en toute rigueur, en gardant les nuances nécessaires, est un travail complexe qui exige souvent de faire des choix difficiles entre ce qui sera traité et ce qui ne le sera pas. C'est aussi un travail passionnant, découvrir des subtilités insoupçonnées, de nouveaux et de beaux exemples, de réflexions sur la meilleure forme visuelle que l'on peut donner à ces contenus. Le manuel scolaire est un outil essentiel de l'enseignement, et en particulier de l'enseignement scientifique. D'abord pour les élèves, qui disposent ainsi d'un support documenté et cohérent et complémentaire avec l'enseignement en classe, en associant des documents de nature variée, des éclairages expérimentaux, mathématiques, épistémologiques, historiques, en faisant le lien avec les connaissances fondamentales et leurs conséquences visibles, qu'elles soient technologiques, environnementales ou sociétales. Le manuel permet aussi à l'élève, quel que soit son niveau, d'avoir un enseignement différencié. Il peut s'entraîner, s'enrichir et approfondir en autonomie les thématiques abordées. C'est là le bénéfice de la fragmentation, même si on entend évidemment que la sobriété et la linéarité présentent également des avantages. Mais justement, le bilan, le cours de fin de chapitre est linéaire, il est sobre et il répond justement à ce vœu que vous formuliez d'avoir quelque part résumé et de façon relativement lisible l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur un cours donné. Le manuel, c'est aussi un objet essentiel pour les collègues qui enseignent. Il leur propose une lecture du programme, un découpage opérationnel, des progressions didactiques, des pistes de réflexion et d'exploitation documentaire. Il n'est pas un substitut, comme vous l'avez rappelé, du programme. Il vient juste le décliner opérationnellement. Il explore un champ des possibles grâce auquel la liberté pédagogique de chacun peut s'exprimer. Le manuel d'enseignement scientifique se caractérise par sa pluri- et sa transdisciplinarité. Le monde, notre monde, celui que la science ambitionne de décrire et de comprendre, est unique et indivisible. Pourtant, pour des raisons pratiques, l'habitude a été prise de découper son étude en disciplines, de la biologie, de la chimie, de la géographie, de l'histoire, de la physique, etc. Chacune apporte sa contribution à une compréhension globale. Pourtant, cette compréhension globale nécessite souvent, en enseignement, de s'affranchir des limites disciplinaires. Il faut bien alors aborder la même question sous de nombreux angles. La didactisation est donc aussi un travail d'harmonisation, où les contributions hyper spécialisées, et nous en avons eu des exemples tout à l'heure sur des thématiques parfois éloignées, doivent être réduites à l'essentiel, puis doivent cohabiter et s'expliquer réciproquement pour former un ensemble cohérent. L'enseignant de sciences, en classe comme dans les manuels, doit ainsi trouver pour chaque sujet, à chaque séance, sa ligne de crête entre la complexité parfois infinie des questions posées, des questions abordées, et la simplification exagérée qui dénaturerait le fond du message. Les sciences peuvent et doivent contribuer au débat démocratique, pas seulement par la démarche qu'elles proposent, mais aussi sur le fond, en particulier sur les grands enjeux auxquels nos sociétés sont aujourd'hui confrontées et qui ont été à plusieurs reprises mentionnés cet après-midi. La liste est longue: agriculture, alimentation, santé, choix énergétiques, atténuation et adaptation, changement climatique, érosion de la biodiversité, etc., etc. Il s'agit de donner suffisamment de temps aux élèves pour se questionner, et on l'a vu dans les témoignages, pour débattre, pour observer, pour expérimenter. Il faut que la formation scientifique de tous nos concitoyens soit à la hauteur des défis que nous devons collectivement relever. Cela demande aussi que l'exigence scientifique disciplinaire, mais aussi transdisciplinaire et épistémologique, soit forte au niveau du recrutement des enseignants, ce qui signifie que la formation initiale doit consacrer davantage de temps à la science, à ses savoirs comme à ses méthodes. Par ailleurs, et c'est un point fondamental auquel nous nous sommes attachés dans ce manuel, l'enseignement des sciences ne peut se départir, comme ce fut trop longtemps le cas, d'une explication, d'une réflexion sur les modalités de construction du savoir scientifique. Sans connaissance des processus qui lui ont donné naissance, le savoir scientifique peut être relégué au même niveau qu'une simple opinion ou une croyance. Ces explications sont plus que jamais nécessaires à une époque où une partie de nos concitoyens n'est pas forcément les moins informés.
vont au-delà du doute raisonnable et mettent en cause des savoirs que l'on pensait stabiliser, voire les modalités de fonctionnement de la science elle-même. Ce dénialisme scientifique a toujours existé, mais semble particulièrement menaçant aujourd'hui, où des moyens de communication extrêmement puissants tels que les réseaux sociaux, eux-mêmes produits de la science, qui n'est pas sans ironie, sont à la disposition de tout un chacun. Que des informations sourcées, explicitées, fiables au moment du bouclage des manuels, soient écrites en noir et blanc et disponibles pour tous les élèves au moment de leur scolarité nous paraît socialement indispensable. Sur les sujets de recherche encore actifs, les doutes, les remises en cause sont fait effectivement partie du processus d'élaboration des connaissances. C'est l'une des missions des enseignants que d'aider les élèves à discerner les connaissances stabilisées et fiables de celles qui sont encore l'objet de débats. Il serait évidemment plus simple et plus confortable d'asséner des vérités dites scientifiques plutôt que de tenter de domestiquer la complexité des débats et des arguments pour pondérer la fiabilité de telle ou telle assertion. En science, il y a un accord sur le désaccord. La multiplicité des points de vue, même apparemment incompatibles, ne remet en cause ni la démarche ni le fait établi. C'est une leçon pour la démocratie, ne pas être d'accord avec son collègue, le pousser dans ses retranchements, émettre des doutes, permet de consolider notre bien commun, la connaissance scientifique. L'enseignement scientifique propose donc bien plus qu'un état des connaissances. Il fournit un cadre de tolérance et d'écoute des débats. Il permet de développer l'esprit critique dans un monde d'obésité informationnelle et il contribue à l'approche holistique des questions de société. Nous souhaitons qu'à son échelle, ce manuel apporte sa contribution à ces belles ambitions. Je vous remercie. Non, c'est bon, c'est fini. Je vous remercie. Nous approchons du terme de cette cérémonie. Néanmoins, nous avons le temps, si vous souhaitez quelques prises de parole dans la salle, c'est tout à fait possible, en particulier si Mme Laurence Rézeau, qui est présidente du groupe d'experts pour les programmes, souhaite dire quelques mots, elle serait la bienvenue. Il faut appuyer sur le bouton. Bye. Bonjour à tous. Je suis extrêmement fière de ce que j'ai entendu aujourd'hui, je dois dire, en particulier de la part des établissements, parce que ceux qui ont été primés, ils avaient bien compris en fait l'idée qu'on avait en faisant ce programme de vouloir vraiment faire dialoguer les disciplines et de vouloir montrer aux élèves que la science concerne tous les élèves, quoi. Donc vraiment bravo. Je dois dire que pour faire ce programme, on a aussi énormément transpiré, parce que l'idée, c'était bien, le message qu'a résumé Pierre tout à l'heure, là, c'était bien, mais après, pour le mettre en musique, on a eu du mal. Hein. Donc, pour certains chapitres, on a passé des réunions de plusieurs jours pour se mettre d'accord sur les termes employés, parce qu'il fallait que le terme utilisé soit compris correctement par le biologiste et par le physicien, et ne soit pas mal interprété par le mathématicien. Enfin bref, il y a des phrases où on a passé des heures pour arriver à quelque chose. Voilà. Donc, et c'était une équipe pluridisciplinaire. Et un travail qui a été passionnant. Voilà ce que je peux dire. Merci.
Et certains membres de l'équipe sont présents dans cette salle. Donc il y avait Pierre et puis il y avait aussi Aristide Cavaillès. Merci. Je vais laisser le mot de la presque fin à Arnaud Cossard pour la DGESCO. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vais commencer par des merci et je vais finir par des merci. Je vous préviens, comme ça vous connaissez déjà la chute. Donc alors merci Monsieur le Président de nous recevoir dans votre si belle maison. C'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir s'imprégner des locaux. Merci Monsieur le Délégué à l'éducation et à la formation. Merci pour les échanges que nous tissons régulièrement, des échanges qui sont toujours pleins de respect et de confiance réciproque. C'est très agréable de travailler avec vous. Merci Monsieur Gracias pour votre présentation pleine d'humour, quoique un petit peu piquante. J'étais peut-être un petit peu trop près, je ne sais pas. Merci Monsieur Léna pour votre rappel sur la genèse de l'enseignement scientifique. Et merci à tous et à toutes, mais j'y reviendrai après pour conclure. Je voudrais donc parler de cette genèse de l'enseignement scientifique qui m'a fait penser, alors est-ce que c'est justement l'atmosphère, la magie des lieux, l'essence peut-être même de l'esprit de l'Institut, à cette phrase que citait Platon comme étant inscrite au fronton de l'Académie à Athènes, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Eh oui, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, alors peut-être que nous, en tant que scientifiques, nous allons réfléchir à une chose, mais aussi à son contraire. Les mathématiciens présents dans la salle ont l'habitude de parler de A et de A bar. Qu'est-ce que ça serait le contraire de cette phrase « que nul n'entre ici s'il n'est géomètre » Eh bien, c'est peut-être justement l'esprit de cet enseignement scientifique. Entrez toutes et tous ici dans la science. Et oui, c'est ça l'enseignement scientifique. C'est le fait de vouloir faire entrer les élèves, les futurs citoyens, dans la science. Alors évidemment, nous ne ferons pas de vous toutes et tous des géomètres, peut-être pas, mais en tout cas, nous vous offrirons la possibilité de le devenir ou non, selon que vous le décidiez. Et c'est ça, la force de l'enseignement scientifique, c'est d'offrir un choix, en donnant aux élèves les connaissances, les méthodes de raisonnement pour construire leur propre culture scientifique, pour construire leur esprit critique. Je voudrais citer quelques mots que j'ai entendus tout au long de cet après-midi et qui, évidemment, ont résonné de manière très positive. J'ai entendu le mot confiance, la confiance réciproque de ces enseignants qui ont co-construit des enseignements. Et Dieu sait que c'est difficile de travailler en équipe parfois. Donc il faut beaucoup de courage et beaucoup de confiance. Et je félicite toutes celles et ceux qui n'ont pas éludé ce problème. Ce n'est pas toujours évident. Il y avait aussi le mot plaisir, le plaisir d'élèves qui apprennent entre pairs. C'est quelque chose de très fort et que, évidemment, on tient à encourager. Et enfin, le mot transmission, qui est peut-être ce qui nous guide toutes et tous, ce qui nous motive le matin quand il s'agit d'aller au travail. Transmission de savoir, mais aussi et surtout transmission de valeurs. Valeurs que sont la rigueur de raisonnement scientifique, la démarche d'investigation, et aussi et surtout l'éveil à la curiosité. Alors géomètre ou pas, peut-être que cet enseignement scientifique offre l'idée que nul ne sorte d'ici, nul ne sorte du lycée, sans le goût de toujours continuer à s'intéresser aux sciences. Je voudrais donc, là ici, profiter d'être devant vous tous et toutes pour remercier tous les collègues, les enseignants, les personnels de direction, l'ensemble de la communauté éducative, les corps d'inspection, toute l'échelle qui permet à ces élèves d'acquérir et j'espère de conserver ce goût des sciences. Merci beaucoup. Je vais aussi terminer par des remerciements. Avant, j'aurais juste noté que dans tout ce qu'on a entendu, il y a une récurrence qui s'est manifestée à beaucoup de reprises, avec beaucoup de déclinaisons, c'est Donc on a entendu parler de collaboration, on a entendu parler de co-préparation, de co-intervention, de co-animation, de coopération, de co-construction. J'en ai peut-être oublié,
mais on les tient. Alors, je pense que c'est vraiment symbolique quand même de vraiment, tout le projet et la façon de faire en sorte que, comme ça a été dit, effectivement, le tout puisse être plus que la somme des parties, et qu'en s'appuyant sur des savoirs qui continuent et des disciplines qui continuent à devoir exister, on travaille à les mettre en partage et à construire quelque chose qui est quelque chose qui est beaucoup plus en prise, en fait, avec la façon dont la science s'inscrit dans la société. Moi, j'en rajouterais un, parce que ça s'inscrit aussi en très forte résonance avec ce qu'on essaie de pratiquer dans cette maison, parce que cette maison est aussi un exemple de cohabitation de différentes disciplines qui, en fait, travaillent ensemble. Et je pense qu'une des forces d'une académie, c'est justement de croiser ces savoirs et de faire en sorte que on s'écoute mutuellement, on apprenne les uns des autres mutuellement, et un de nos mots-clés, c'est aussi la collégialité. Voilà, donc ça fait beaucoup de coups, mais je pense que c'était très symbolique et c'était très intéressant de voir que c'est en partage et que c'est quelque chose qui, effectivement, peut être pratiqué dès le lycée, et en particulier s'inscrive dans l'idée de mettre en place une façon de voir le monde et d'aider à le transformer, qui se poursuivra, qu'on fasse des sciences ou qu'on n'en fasse pas. Professionnellement, j'entends. Voilà, donc je voudrais terminer par quelques remerciements, parce qu'évidemment ces événements sont possibles non seulement par les personnes qui ont participé, mais aussi par tous les celles et ceux qui ont travaillé à préparer cet événement. Donc je voudrais remercier en premier lieu Sophie Lajac, qui est cheville ouvrière de cet événement, qui a travaillé aussi avec tout l'ensemble des personnels du service des séances de l'Académie des sciences, qui est sous la responsabilité de Sandrine Maigret. Évidemment, le comité d'enseignement et la délégation à l'enseignement et à la formation avec son délégué Eric Westhoff. Merci Eric. Je ne voudrais pas oublier tous les jurys, toutes les personnes qui se sont investies pour analyser, décortiquer et puis sélectionner. C'est un très gros boulot, on le connaît, c'est quelque chose qui est indispensable et dans lequel les membres du jury s'investissent avec beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de temps et beaucoup de talent. Voilà, puis évidemment, je voudrais encore une fois féliciter et remercier d'être là tous les lauréats de tous ces prix qu'on a décernés, qui sont des très beaux exemples pour la suite. Et puis je peux souhaiter que longue vie à ce type de prix et de reconnaissance, et puis donner rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Dernier mot, oui, on a rendez-vous en bas. C'est en salle Bonnefous, donc c'est en bas des escaliers.